Bonjour à toutes et à tous, et bien voilà, printemps 2017, les premiers beaux jours arrivent et j'en profite pour m'incruster dans un tournage de nuit avec Nico, donc évidemment Jean-Baptiste derrière la caméra, mais je suis aussi accompagné de notre nouvel international Julien Filleul et du grand champion international Mathieu Farge. Donc autant vous dire que j'ai rarement ressenti autant la pression au niveau pêche lors d'un tournage. Pourquoi je me suis incrusté? Évidemment pour vous présenter le cinquième opus de En Session avec Fox, qui est un volume particulièrement riche et varié, puisque comme vous l'avez vu au cours de ces derniers mois, l'équipe Fox s'est agrandie et enrichie. Alors en attendant de retrouver les deux machines, là, je vous propose d'aller en balade sur les canaux du Nord avec Jean-Baptiste. Eh bien bonjour, bienvenue chez moi dans les Hauts-de-France, d'un schnorr comme on dit, pour une petite nuit au bord du canal. Alors on est en plein mois de février, il fait à peu près, il fait relativement doux, hein, il fait 13-14 degrés extérieur, l'eau elle est encore à entre 6 et 8 degrés. Voilà, j'ai quitté le boulot tout à l'heure, là il me reste dans 1h30, 2h, il fait nuit. Je retravaille demain, donc je suis là juste pour faire une petite nuit au bord du canal, un canal grand gabarit qui fait à peu près entre 4 et 5 mètres de fond. Le principal inconvénient, ça va être les péniches qui circulent malheureusement quasiment jour et nuit et en ce moment avec un trafic assez important. Voilà, on va essayer de faire au moins un poisson, parce qu'on est quand même au mois de février. C'est un canal grand gabarit qui est immense, ce biais fait plusieurs dizaines de kilomètres de long. Donc voilà, on cherche un peu une aiguille dans une botte de foin. Voilà, le coup a été un petit peu préamorcé, préparé. Donc voilà, on croise les doigts. Alors en termes de stratégie, ça va être relativement simple. Je pêche un espèce d'arrondi. Souvent c'est l'endroit où les péniches viennent s'amarrer et surtout faire demi-tour. Alors comme je me situe exactement en plein milieu d'un bief avec plusieurs kilomètres dans un sens, plusieurs kilomètres dans l'autre, je vais pêcher, contrairement à d'habitude, je vais pêcher avec 4 cannes. On va essayer d'augmenter nos chances pour essayer de faire ce fameux poisson. C'est vrai que c'est l'hiver, donc on va essayer de mettre le paquet. Je vais pêcher donc 2 cannes, on va dire, vers l'amont et 2 cannes vers l'aval, sans oublier une canne vers l'aval, mais on va dire sur la berge opposée. Alors je vais pêcher donc les deux cassures, la cassure d'en face et la cassure de mon côté. Je vais mettre 3 cannes sur ma cassure à moi et une canne sur la cassure en face. Alors ma cassure à moi, c'est simple, je suis sur un espèce de quai, donc il y a des pales planches et aussi un quai béton. J'ai deux extrémités de cet arrondi, je vais mettre une canne de chaque côté de ces extrémités. La première extrémité, elle est légèrement vaseuse en pente assez abrupte, donc je vais essayer de trouver la cassure juste en bas. Plus en aval, la cassure de cette pointe là-bas, elle est en pente très douce et après elle tombe avec un petit tombant sur un mètre. Mais par contre, c'est énormément de rochers, là c'est vraiment du dur. La berge d'en face, en fait, c'est des pales planches avec une espèce de petite banquette qui fait à peu près 80 cm, 1 mètre. Et là, il y a à peu près 2 mètres 50 de fond. Et puis, je vais mettre une canne devant moi, en bas de la cassure, on va dire presque au niveau du lit du canal, voir si on peut intercepter des poissons qui se situent dans le profond. Alors avant de mettre les cannes, en plus je vois que ça se couvre de plus en plus et même limite un peu brumeux. Donc je pense que la nuit va vite tomber et j'espère pas qu'il va se mettre à pleuvoir, parce que pour une nuit comme ça à l'arrache, il n'y a rien de pire que de remballer tout trempé. Donc je vais vous parler rapidement là de ce que je vais utiliser pour amorcer. Alors pour amorcer, en fait, j'ai déjà un collègue qui est venu amorcer quelques fois, une ou deux fois avant que je vienne. D'ailleurs je le remercie au passage, il se reconnaîtra. Il est venu amorcer, on va dire, une cinquantaine de billes pendant 3 à 4 jours. Alors comme je l'ai dit
tout à l'heure en introduction, c'est une zone de passage, pas une zone de tenue. Donc il faut, les poissons bougent un petit peu en ce moment. En plus, il y a la navigation qui les pousse à bouger. Donc voilà, j'ai juste un petit amorçage d'accoutumance. Alors en termes d'amorçage, c'est hyper simple. J'utilise des bouillettes d'une marque allemande, la Titi Bates, des billes à base de moule. Donc tout ce qui est anodonte et ce genre de choses, donc ça ressemble vraiment à de la nourriture naturelle. Alors moi je les coupe en deux, alors elles sont relativement molles hein, parce qu'elles sont assez fraîches, mais je préfère les couper en deux, vous allez comprendre pourquoi. Donc j'en coupe à peu près, un kilo, je pense que là si je fais un poisson cette nuit, ça sera déjà beau, donc ça sert à rien de perdre la soirée, le peu de temps qu'on a de pêche à en couper plusieurs kilos, je pense qu'un kilo ça suffit. Donc c'est... Je les coupe en deux, en quatre, donc j'ai un peu différents diamètres, donc en fait les 24 et les 30, bon bah je les coupe en quatre. Alors pourquoi je coupe les bouillettes en deux? Le but va être de les ramollir encore plus, parce que les poissons sont vraiment se nourrissent vraiment très très peu, donc je veux quelque chose qui puisse très rapidement être assimilé et digéré. Donc je les coupe en deux, pourquoi? Parce qu'en fait je vais venir les faire tremper dans de l'eau pour les ramollir. Alors là j'ai déjà un petit fond d'eau dedans, hein. J'avais déjà commencé tout à l'heure, donc on voit que ça, elle commence à blanchir rapidement avec l'eau. Alors à ce mélange, je vais rajouter du lait. Alors pourquoi du lait? Le lait c'est quand même quelque chose qui est assez sucré, et c'est surtout qu'elles vont se gorger justement de ce liquide blanc, de ce truc laiteux, et elles vont, une fois dans l'eau, elles vont diffuser le lait en étant un peu un petit halo, un peu laiteux comme on dit. Donc je vous rajoute un peu de lait. Alors l'idéal, et ça marche aussi pour l'hiver et surtout avec du pelé, c'est vraiment mortel. Le lait, ça serait de le faire chauffer un petit peu, vous voulez qu'il soit un peu bouillant, et vous versez ça sur vos pelés et vos bouillettes. Ça, l'hiver, c'est vraiment, vraiment mortel, puisque ça va ramollir très rapidement vos bouillettes et vos pelés, et en plus, ça va faire ce petit halo blanc sucré, quoi. Ensuite, je rajoute du maïs doux. On a beau être en canal, c'est beau être un grand gabarit, c'est pété de brème et de blanc, mais voilà, l'eau, elle est à 8 degrés. Je pense que les grosses brèmes géantes et le petit gardon, il est pas encore très, très actif, donc j'hésite même pas à mettre le jus, je mets carrément le jus dedans, puisque... Justement, le jus, les bouillettes qui sont ouvertes, coupées, elles vont s'en imprégner. Je rajoute un tout petit peu aussi de liquide, un fond de liquide, de poudre, de liquide de moule à lèvres vertes. Donc voilà, ça schlingue bien. Donc voilà, mélange un peu sucré carné. Et puis ensuite, après, j'ai plus qu'à tout remuer. Alors, le but, vraiment, c'est que les billes, elles vont vite, là, elles commencent déjà à blanchir. Elles vont vite se gaver en sucre, donc le sucre du lait et puis le sucre du maïs doux. Et puis, voilà, elles vont, une fois sur le fond, en fait, ça va être hyper attractif entre le mélange laiteux avec le petit halo, comme j'ai dit, et puis le côté un peu visuel du maïs doux. Donc ça, c'est vraiment mortel l'hiver. J'ai pas besoin d'autre chose, surtout pas de pelée, surtout pas de d'huile, les genres de choses qui vont figer dans l'eau froide. Il faut vraiment quelque chose d'assez simple. Je peux même aller jusqu'à utiliser de l'amorce, mais là quand même je vais pas non plus tenter le diable, puisqu'il y a quand même énormément de péniches. J'ai pas non plus envie d'amorcer toute la zone, donc il va falloir, le but ça va être d'en mettre souvent, mais en très très petite quantité, parce que le flux des péniches et le ressac vont faire que chaque fois que je vais en mettre, la péniche va venir et va m'en éparpiller sur plusieurs mètres carrés. Et si j'en mets beaucoup tout de suite, je vais me retrouver avec une zone de la taille d'un terrain de foot, puisque là il va y avoir encore au moins une quinzaine ou vingtaine de péniches d'ici ce soir. Donc je vais en mettre un tout petit peu, quitte à en remettre un tout petit peu à chaque fois. Donc ça à chaque fois, par canne, pour démarrer, et à chaque fois j'aurai une touche. On va essayer d'en faire une. Et puis à chaque fois que j'aurai une touche, ou à chaque fois qu'il y a une péniche, je relancerai ma canne et je mettrai juste cette petite quantité. Pareil pour mon bateau amorceur, pour aller taper la canne d'en face. On va lancer la première canne. Alors je suis dans le poste le plus en aval ou en amont, ça dépend comment on se situe, mais moi je considère que là on est plus, c'est plus l'aval. Donc ici, on a toute ma partie de mon arrondi, c'est un quai. Donc du coup, c'est assez profond, il y a plus de 3-4 mètres en bas des pales-planches. Et ici, toute cette partie-là, c'est la partie du canal où en fait, ça fait des plages de cailloux. On voit, il y a énormément de très très grosses pierres, on voit, il y a des détritus de moules partout, c'est peu profond. Donc voilà, je pense que les poissons vont remonter. En plus, il y a eu un peu de soleil aujourd'hui depuis quelques jours. Donc du coup, je pense que les poissons doivent monter ici pour se nourrir la nuit quand la navigation est arrêtée. Donc le but, ça va aller d'aller chercher le bas de cette espèce de plage, la cassure de cette pente douce. Donc à mon avis, elle est un petit peu plus loin qu'ailleurs, puisque ça descend beaucoup plus lentement. Donc la technique, c'est simple, il suffit de faire un lancer pendulaire
à peu près à un gros tiers du canal, de bloquer le fil et de le laisser, de sentir le plomb qui va venir tomber comme ça en pendulaire, donc pas à plat comme ça, mais en pendulaire, et qui va venir se plaquer sur notre berge, sur notre cassant, sur notre descente. Voilà, parce que les poissons viennent manger de toute cette bouffe qui s'agglutine en bas de cette cassure. Donc c'est assez simple. C'est de bien sentir le toc du plomb quand il va descendre, pour être bien sûr qu'on n'est pas dans du limon ou dans de la vase. Voilà, j'accompagne, je le sens, descend, et là, toc, on sent bien le plomb qui vient, boum, se poser. Alors, ce que je fais pour vérifier que je suis bien au démarrage de cette cassure, c'est très simple. En tirant légèrement le plomb, je vais voir si je le tire ou si, quand je vais venir retendre, si le sillon est plus haut. Si le sillon est plus haut, ça veut dire que je suis déjà dans la remontée. Et le but, c'est d'être vraiment juste à cette zone-là. Donc là, je vais tirer. Voilà. Donc là, je sais que je remonte puisque, en fait, mon sillon, je l'ai tiré et j'ai vu que j'ai du mou. Donc ça veut dire que je suis déjà sur la remontée. Donc c'est parfait. Je suis vraiment pile poil en bas de cet angle. Donc c'est là où la bouffe s'agglutine. Souvent, c'est les pêcheurs au cou pêchent. Alors en général, c'est entre 9 et 11 mètres suivant les canaux. Eux, ils savent très très bien où elle se situe cette cassure puisque c'est vraiment là où ils pêchent. Et ils pêchent vraiment... Tous les pêcheurs au cou de canot vont vous dire que vraiment là, cette petite zone à pêcher, elle fait entre 5 et 15 cm. Donc c'est vraiment important. Donc il ne me reste plus qu'à amorcer avec le mélange que je vous ai montré. Donc vraiment très très peu. Voilà. Allez, j'en mets deux pour celle-là. Donc voilà. Alors l'avantage de cette canne-là, c'est comme elle est sur ma berge, j'aurais pas besoin de la relancer si jamais il y a une, ou de la remonter si jamais il y a une péniche qui arrive. Voilà. Et là, donc là, je suis à peu près entre 100 et 120 mètres de mon campement et je vais revenir tout doucement en maintenant le fil comme ça et en ramenant la canne vers le repose-canne de l'autre côté. Voilà pour cette première canne. J'ai plus qu'à attendre la ligne. Pas trop. Et par contre, une chose qui est très importante sur cette canne-là, c'est que en revenant à pied, j'ai vu qu'il y avait énormément de blocs de rochers justement sur cette berge-là. Donc la dernière chose à faire, ça serait d'essayer de tenter de remonter le poisson d'ici. Parce que si je le remonte d'ici, c'est sûr qu'elle va aller se faire toutes les pierres qu'il y a sur son chemin. Donc ce que je ferais, c'est que si cette canne-là déroule, je partirai avec l'épuisette là-bas, je combattrai le poisson plutôt là-bas vers la pointe ou vers le milieu, mais sûrement pas d'ici puisqu'il y a trop d'obstacles. Je risque de la laisser. Bon voilà, le soleil est de retour, ça fait un peu, il joue au chat avec les nuages. Voilà, la première est mise, il m'en reste encore 3, donc je vais me dépêcher. Bon alors maintenant, on va mettre une autre canne, donc celle plus en amont. Alors en fait, je suis à peu près une 50, 60, 70 mètres, 80 mètres de mon campement. Alors en fait ici, pourquoi ici? C'est qu'en fait, c'est le débarrage de ce fameux arrondi, ce fameux haricot. Donc comme la canne précédemment, en fait, on va aller... L'avantage de ce poste, c'est que comme je suis légèrement plus en avant comparé aux autres cannes, je suis légèrement plus en avant par rapport au lit. Du coup, je vais aller chercher un peu une cassure un petit peu plus, vraiment le tout bas de la cassure un petit peu plus loin, et puis voir si je peux pas intercepter des poissons qui pourraient descendre, parce que comme je suis vraiment au milieu d'un bief, je sais pas si les poissons montent ou descendent. Donc comme tout à l'heure, c'est la même chose, un lancer pendulaire, il n'y a pas besoin de lancer très très loin, j'ai une centaine de grammes au niveau plomb, hop.
Tac. Hop. Alors, il suffit juste de retendre légèrement. Le fil, il va s'écarter parce que forcément, comme je le déroule à peu près à 3 mètres du bord, parce que c'est une 12 pieds, et que mon montage, il est plus vers le large, voilà. On voit le fil qui s'écarte. Voilà, hop. On va faire descendre la bobine. Voilà. Alors, on tend légèrement. La submerge, elle va venir se plaquer au fond. Voilà. Alors, je vais passer quand même l'anneau derrière le détecteur parce que elles sont un petit peu violentes ici. Même si, bon, il n'y a pas de danger qu'une péniche me l'attrape, mais les carpes, elles sont en général, elles sont un peu violentes. J'ai mis des petits snack bars, mais bon, quand même. Je vais quand même, par précaution, mettre l'anneau derrière. Voilà, le détecteur, il est allumé. Et il n'y a plus qu'à aller s'occuper des autres. Alors, pour la canne, pour la berge d'en face, bah forcément, je vais attendre que la péniche, elle passe, parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Là, je vois, on voit assez loin en amont, assez loin en aval, on voit qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, je vais attendre que le gros remous passe pour aller mettre ma canne sur les pales-planches là-bas juste en face. Alors c'est très simple, pour le coup là j'utilise mon bateau amorceur puisque la banquette est vraiment pas très très large, donc lancer ça veut dire que une fois sur deux je vais pas être dessus, même clipper c'est quand même pas évident. En plus il y a pas mal de branches surplombantes, donc j'ai surtout pas envie d'y mettre mon montage dedans et faire 50 000 lancers parce que le poisson il peut déjà être déjà là-bas sur la zone. Donc j'utilise le bateau amorceur, c'est un peu pratique, je suis pas un méga fan du bateau amorceur mais bon en général voilà ça... Ça peut aider surtout sur les pêches rapides. Donc toujours pareil, très très peu d'amorçage dans mon bac. Voilà, mon montage est déjà dedans. Ensuite en termes de badigne, là j'ai un badigne en fluoro, mais bon c'est un petit D-ring tout simple. C'est juste parce que voilà, je veux vraiment que ça pose très propre sur ce spot. Et l'avantage du fluoro, c'est que ça va maintenir ma bouillette vraiment très très loin, éloignée de mon montage. Donc c'est un montage inline. Et puis là j'ai juste un tout petit bonhomme de neige avec un faux grain de maïs, comme j'ai mis un peu de maïs doux dedans. Bon, j'espère ne pas trop être embêté avec les brèmes. Voilà, je vais le mettre à l'eau et puis on va aller déposer ça. Il est 19h, un peu plus, 19h15, et c'est l'heure de manger. Alors là, la navigation est terminée normalement. Les portes des écluses s'arrêtent de fonctionner à partir de 19h, mais bon, il faut toujours rester un peu vigilant, encore une heure et demie, deux heures, parce que le bief est grand et il peut encore y avoir des péniches dans le bief. Je vois pas de mouvement d'eau, on voit pas l'eau trop bouger, donc s'il y en a une, elle est vraiment très très loin. Mais bon, faut rester vigilant. Donc là, je vais faire cuire... Je vais faire cuire l'eau des pâtes, manger, rester vigilant et puis je pense que d'ici 21h30, je serai fixé, je pourrai vraiment m'endormir sereinement. Allez à la bouffe. Mmh.
il doit faire à peu près 5 degrés, 6 degrés dehors. C'est bien un truc qui est bien important dans la pêche hivernale. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de touches et tout. Psychologiquement, avec le passage des pénis, c'est un peu compliqué. Donc, il faut surtout bien manger. Ça fait du bien au moral. Mangez bien et mangez chaud. Et ouais, le chauffage aussi, ça c'est un truc... Il n'y a pas que le chien qui apprécie le chauffage. Comme la péniche, elle vient de repasser. Il faut retaper toutes les cannes, notamment celle sur la berge d'en face. Donc du coup, en fait, bah, de nuit, c'est simple. J'y vais un peu à tâtons jusqu'à temps que le bateau il touche le pale-planche en face. Puisqu'en fait, le but, c'est de déposer vraiment à quelques centimètres, voilà, là, juste la longueur du bateau, donc 80, 60 centimètres, ça suffit du pale-planche. En bas des pale-planches, il y a 2 mètres de fond avec... une toute petite banquette de cailloux, et en fait les poissons longent cette fameuse banquette pour manger tout ce qui est toutes les corbicules qui sont sur cette longueur. Donc en fait il faut juste déposer à ras de ces pales-planches pour éviter de lancer 15 fois la nuit, surtout qu'il y a pas mal de petites branches surplombantes. Bah, je préfère utiliser le bateau pour me glisser sous les branches, c'est nettement plus discret. Voilà, comme ça là j'arrive, j'ai plus qu'à déposer. Voilà, c'est good. Voilà, et il n'y a plus qu'à rentrer. Voilà. Donc en fait j'ai vraiment mis très très peu d'amorce dans le bac, hein, juste quelques boules coupées et mon montage. Puisque en fait le problème c'est que si jamais à chaque passage de péniche il faut aller relancer, si à chaque fois la benne du bateau elle est pleine, bah, à chaque fois ça fait toujours de la bouffe en plus. Donc je préfère en mettre très très peu, quitte à en remettre plusieurs fois, que tout d'un coup et à chaque fois on va se retrouver avec un kilo rapidement, quoi. Donc je préfère vraiment amorcer très très peu, l'eau est quand même à 8 degrés. Donc il ne faut surtout pas les nourrir. Voilà, je vais chercher le bateau. Regardez-moi ça. Ah là là là. Elle a la bonne forme pour grossir et devenir un super poisson. Magnifique, super content. Ça commence bien. Tip top. Bon ben voilà, c'est nickel. Allez hop, on la remet et puis on va remettre la canne et puis au dodo. Là il y a un brouillard de fou, alors ça va être compliqué parce que demain les péniches on risque de pas les voir arriver. Mais bon, voilà, ça rajoute un peu de fun. Allez hop, on la remet à l'eau. Bon alors je vais rééchier la canne. Donc alors pour ce montage là en bordure, c'est un montage assez simple, hein. c'est une bille de 20 mm Four Fish Guy Helen de chez Titi Bait, c'est une marque allemande. On fait vraiment des appâts à base de poudre de lèvres vertes, donc c'est vraiment des appâts qui ressemblent à vraiment de la nourriture naturelle, ne serait-ce qu'au niveau de l'odeur et au niveau du goût. C'est vraiment, j'ai rien trouvé de mieux en canal jusqu'à maintenant. Et ensuite je mets une toute petite pop-up, donc ça c'est Octopex, c'est un mélange d'épices, d'Octopex, donc de pieuvre et puis de Scopex. Voilà, c'est une petite toute petite pop-up pour relever un petit peu, même si on pêche quand même sur un substrat qui est relativement en bas de la cassure, c'est relativement dur, on n'est jamais à l'abri de tomber sur un petit peu de mou, un petit peu de vase, un petit peu de limon. C'est-à-dire que les péniches elles n'arrêtent pas de passer, donc elles ramènent toujours du limon en bas de cette cassure. C'est d'ailleurs pour ça que les
les poissons s'y nourrissent, parce que souvent ça ramène de la bouffe en bas. Donc voilà, un petit bonhomme de neige sur mon petit hameçon. Montage assez simple, basique. Il faut surtout que l'hameçon pique bien. Je vous montrerai le montage un peu plus en détail demain. Voilà, on va vite la remettre. Parce qu'il fait vraiment très froid. J'ai qu'une hâte, c'est de rallumer le chauffage et de me repioter. Alors au niveau de la dépose, c'est très très simple. Il suffit juste d'un petit lancer pendulaire. C'est la canne vraiment qui est devant nos pieds. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un lancer pendulaire. Alors, le truc c'est que le brouillard nous complique un peu la vie. Voilà, je bloque, j'accompagne. Voilà, c'est posé. Voilà. Hop. Alors comme c'est la canne qui est vraiment toute prête, je viens noyer la bannière, plongeant la canne. Voilà. Je mets juste vraiment un tout petit peu. Voilà. Et voilà. Hop, il n'y a plus qu'à mettre la canne sur le rotpod et à l'espioter parce que ça se remet au chaud parce que ça caille. La nuit fut assez productive. Là, je vais pas tarder à remballer parce qu'il va falloir aller bosser. Donc là, ce matin, la navigation, elle est vraiment intense puisque là, ça, c'est déjà au moins la 15e depuis ce matin. La première péniche, elle est passée ce matin à 6h05 précisément, donc une heure avant l'ouverture des portes. Donc à mon avis, c'est une péniche qui devait être stationnée quelque part sur le bief, sur une aire de stationnement. Et puis en fait, elle remontait le bief puisque là, la prochaine écluse, elle est à peu près à une heure. Donc elle remontait le bief pour être à 7h devant la porte. Donc j'ai mis mon réveil à 7h moins le quart. À chaque fois, je mets à peu près toujours à 7h-là de façon à pouvoir me réveiller et remonter mes cannes qui sont sur la berge d'en face avant la navigation pour pas qu'il y ait d'accident avec une péniche qui attraperait toutes les cannes. Et j'ai eu un départ et j'ai couru sur la canne. Et au moment où j'allais ferrer, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait une péniche qui était en approche. Elle était déjà à moins à 50 mètres. Alors elle roulait vraiment au pas, donc je l'entendais, je ne l'ai pas entendue.
puisqu'en fait ce matin il y a énormément de brouillard, donc c'est vrai que les convois, il y a certains convois qui font 80 mètres, donc ils ne voient même pas la proue devant, donc ils naviguent un peu au sonar, donc c'est un peu compliqué pour eux, donc ils arrivent très lentement, on ne les entend pas arriver, donc ce matin ce qui m'a sauvé c'est le départ. Donc sur la même canne que la commune de cette nuit, un super joli poisson, je vais vous le montrer là tout à l'heure. Donc voilà, sur le spot, la petite cassure que je vous montrais hier, juste en bas dans mes pieds. Donc je suis super content. Vous allez voir, il y a du joli au sac et ce matin, j'ai vraiment la banane. Bon, allez bosser, ça va me filer la gouache. Bon, ben voilà, cette petite nuit au bord de ce canal grand gabarit a été productive parce que cette fin de nuit, parce que je fais deux jolis poissons que j'ai gardés au sac. Donc une cette nuit à 23h30 minuit et puis ce beau poisson là à 6h du matin. Donc je vais d'abord vous montrer ce poisson. Hop, une belle miroir qui fait tout juste 20 kilos. Yes! Voilà, pris sur le petit tombant en bas de la cassure, juste devant mes cannes. Un super beau poisson, bien massif. Une vieille combattante du canal, du grand gabarit. Donc voilà, en plein mois de février, ça c'est juste la saison commence super bien. Je suis vraiment super content. Donc voilà, mais j'ai encore mieux dans l'autre sac. Voilà, on va les relâcher et puis je vais vous montrer la cerise sur le gâteau. Yes! Bon, alors je vais vous présenter le dernier poisson de cette session assez sympa. Alors il est beaucoup plus petit que l'autre, un petit peu plus petit que l'autre, puisque celui-là fait que 15, un peu plus de 15 kilos. Mais par contre, yes! Voilà, the cherry on the cake, un truc de fou. Il y a plus de, avec les jonctions, il y a plus de 20-25 km de canal, et faut tomber là-dessus quoi. Yes! Ça c'est le poisson de l'année ça, énorme, énorme. Magnifique, magnifique. Voilà, pris à quelques mètres du bord, un poisson qui devait se nourrir le long des pales-planches, tranquillement, dans une flotte à 8 degrés. Voilà, commence bien l'année. Magnifique. Yes, yes, yes. Regardez-moi un peu ce truc. Avant de remonter les cannes et de partir, je vais quand même vous montrer le montage que j'ai utilisé pendant cette session. Donc monter comme ça sur les quatre cannes. Alors la différence, c'est que la canne qui pêchait la berge d'en face, dans le moulinet en fait, c'était de l'illusion en 35 centièmes, donc un fluorocarbone. Pourquoi ? Parce que j'aime bien le fluorocarbone, parce qu'il a tendance à se déposer bien sur le fond du canal, à bien couler, et ça évite que de couper le canal en deux et de gêner le passage des poissons. Donc en fait, sinon les autres cannes étaient en tresse, donc en submerge, pareil qui se plaque bien au fond, mais je préfère quand même utiliser le fluoro en face. Alors au niveau de l'arrangement, j'ai mis un bout de Snag Leaderline Fox en 60 centièmes. Donc voilà ce modèle là, alors en modèle kaki, donc modèle camouflage. Voilà, c'est vraiment très 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 robuste et ça permet d'éviter, bon, normalement en général le canal est dragué régulièrement, le canal est assez propre, mais jamais, on n'est jamais à l'abri d'un bloc de béton ou de quelqu'un ait jeté de la ferraille surtout notamment en bordure. Alors ensuite au niveau de l'arrangement, plomb, alors c'est assez simple.
C'est un plomb de 5 oz, donc un peu plus de 113, 120 grammes, Impact de chez Fox, le nouveau plomb inline. Alors ici, j'ai une tétine Naked, donc les tétines de modèle longue à utiliser sur les leaders en fluoro ou les leaders en nylon. À l'intérieur, j'ai un émerillon, tout simple, hein, un nœud avec un émerillon. Donc un émerillon, alors c'est ce modèle-là de taille 7. Alors pourquoi taille 7 et pas une taille un peu plus petite? C'est qu'en fait, la taille 7, elle rentre bien dans la tétine, dans l'insert à l'intérieur qui est rigide et il est bien fixe. Parce que si vous prenez un émerillon qui est plus petit, le plomb risque de se balader. Alors là, l'avantage, c'est qu'en plus, il est un peu plus... avec la taille, il est solidaire du plomb. J'ai à l'intérieur donc un émerillon Quick Change. Voilà, ici pour pouvoir changer de baligne. Alors le fond, les bordures sont assez caillouteuses. Et donc du coup, faut pas hésiter. Hein, si on voit qu'un hameçon a pris cher sur les cailloux ou pendant un combat d'un poisson, faut pas hésiter à le changer. Hein, vous voyez, les touches ne sont pas légion au canal. Alors la pire chose, c'est de pêcher avec un hameçon émoussé. Je préfère le changer. Donc le petit émerillon rapide Quick Change. La petite tétine qui va bien. Ensuite, le baligne, très très simple. C'est de la Reflex, pardon, en 15 livres, voilà, en modèle dark camo, parce que le fond de l'eau est assez sombre. Je suis venu y mettre trois petits bouts de pâte plombée pour bien plaquer tout ça. L'arrangement hameçon, alors c'est ici un petit Lina, avec un petit hameçon ici de la gamme, la nouvelle gamme Aegis, donc c'est un Shorfshank. Les nouveaux modèles, et puis un petit bonhomme de neige. Donc on a une 20 mm Forfish Guy LM, donc ces fameuses bouillettes sont vraiment top pour le canal, qui ressemblent vraiment à de la nourriture naturelle, qui sentent vraiment on sent un peu la vase, donc à base de poudre de lèvres vertes et plein d'autres attractants. Et puis une petite pop-up épicée pour le côté un peu visuel et un peu pimenté. Voilà, c'est hyper simple, ça se lance du coup très très bien. Et l'avantage de cet arrangement plomb là, c'est que l'émerillon étant situé au plus fort et au plus lourd du plomb, on a vraiment un ferrage immédiat, puisque l'inertie est située dans le milieu, enfin le centre de gravité, l'émerillon est vraiment situé au niveau du centre de gravité. Donc c'est vraiment à la moindre sollicitation, en fait, le baligne, une fois qu'il est tendu, on a tout de suite l'hameçon qui vient se planter. Puisque là, l'eau, elle est quand même à 8 degrés, les poissons sont pas là à aspirer un peu frénétiquement. Ils testent les appâts, ils aspirent, ils picorent à droite, à gauche. Donc il faut vraiment que ça soit vraiment efficace à la moindre sollicitation. Allez, ça y est, le brouillard est complètement levé. Là, la navigation, elle est en train de s'intensifier à mort. Je pense qu'il est temps pour moi de remonter les cannes, de plier tout le matos et d'aller bosser. D'ailleurs, je suis même carrément à la bourre. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Vous avez apprécié ce moment de partage ici au bord du canal. Moi, je me suis éclaté une nuit de dingue. Je pense que la journée de boulot, elle va être longue. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Alors Jean-Baptiste, pour cette Opus 5 en session avec Fox, tu as décidé de nous amener à nouveau en canal. Et pourtant, c'est une séquence bien, bien différente de celle que tu nous avais faite il y a quelques temps, avec un bief complètement différent. Et on s'aperçoit que tu as placé la barre assez haute au niveau du challenge, parce qu'en temps, tu es super limité. Et puis, période de l'année, c'est pas forcément la plus propice. C'est vrai que c'était quand on a choisi la période, je me suis dit, c'est un peu au casse-pipe. La dernière fois aussi, c'était compliqué, mais la dernière fois, on avait des eaux chaudes pour nous aider. Là, cette fois-ci, il fallait vraiment trouver le poisson et pêcher dessus, parce que là, le à cette période de l'année, les poissons naviguent pas encore beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai eu pas mal de chance. Poissons naviguent pas beaucoup. En revanche, au niveau des péniches, c'est assez. L'hiver en général, c'est là où il y a le plus de navigation. L'été, c'est surtout des bateaux de tourisme, mais l'hiver, on est en plein rush post céréales et machin. Donc là, c'est des péniches toutes les 5 minutes à la queue leu leu, c'est presque nuit et jour.
c'est le, ouais, c'est vraiment le truc qui est physiquement et psychologiquement, c'est compliqué parce que dès que ça pêche propre, il y en a toujours une qui passe. Donc ce qu'il faut, c'est plutôt que d'en mettre, ben, un peu comme on l'a vu dans le Rhône, hein, plutôt que d'en mettre beaucoup très rarement, il faut en mettre très peu et souvent. Ouais, quoi. C'est vraiment comme ça qu'on arrive à faire le moindre poisson qui passe, de le garder quelques instants. Quoi. J'ai le sentiment aussi, enfin moi c'est vraiment ce que je retiens de cette séquence, c'est que le repérage, la connaissance des lieux est vraiment primordiale. Hein. Tu passes beaucoup de temps, j'ai l'impression, à comprendre. Oui, parce que on en parlait justement avec les frères Rousselot quand ils vont, on le verra dans la suite, quand ils vont aborder la Moselle. En fait, il faut voir un bief un peu comme un grand lac tout en longueur. Et puis, déjà avant tout, trouver les poissons, trouver les spots, plutôt que de les attendre bêtement sur un endroit où ils passeront peut-être, mais ils s'arrêteront pas. Donc c'est ça, c'est vraiment un peu comme de la pêche de très grands lacs, puisque là on était à une trentaine de kilomètres de longueur, donc ça ferait un grand lac, mais pas très très large, mais c'est un long lac quoi. Donc il faut juste trouver les poissons et pêcher dessus et les intercepter et surtout les tenir un minimum pour essayer d'en faire un ou deux. Une bien jolie séquence en tout cas et des poissons de fou comme d'habitude. Bah, tu parlais de la Moselle, on va vite rejoindre le duo de choc, les frères Rousselot. C'est ça. Ils sont accompagnés d'Alexis et Nicolas pour une belle aventure dans l'Est là. C'est ça. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue parmi nous pour cette cinquième édition du DVD En Session avec Fox. Cette semaine, je ferai équipe avec donc Nicolas, fidèle acolyte, hein, et donc les frères Rousselot, Johan et Mathias. Donc, je les ai tous les trois emmenés sur une magnifique rivière du nord de la France, en espérant pouvoir vous montrer de magnifiques images et pourquoi pas quelques très jolis poissons. Aujourd'hui, je vais vous montrer le montage que moi et mon frère on utilise dans la majorité des cas. C'est un montage qui est constitué d'un bas de ligne rigide avec un cheveu rigide lui aussi, ce qui est en fait assez rare hein, dans le fond. Nous, on utilise le Fox Illusion Transkaki parce que ça correspond tout à fait à notre type de pêche, c'est-à-dire un matériau qui est assez résistant et qui est aussi assez discret. Donc ça, c'est vraiment... Puis c'est très performant. Donc je prends un petit peu d'illusion.
je fais une boucle, toute bête, hein, voilà, pour réaliser le cheveu. J'essaie de faire en sorte qu'elle soit pas trop grande. Là, je pense que je vais monter un appât de 20 mm, peut-être un appât de 24. En fait, j'utilise des appâts de 24 mm parce qu'il y a quand même quelques brèmes. Mais sinon, en général, je pêche avec du 20 mm, voire même du 16, hein, parfois. Je vais la serrer avec ce petit ustensile bien pratique. Voilà, et je vais monter directement l'appât dessus, immédiatement. Voilà, il suffit juste de mettre un petit stop appât. Donc je vais utiliser ceux-là, qui sont vraiment très intéressants. Ils ont une petite forme en V, et puis vraiment ils retiennent bien l'appât. Hein. C'est parfait, surtout s'il y a des petits nuisibles, des petits indésirables qui tirent sur l'èche. Ça c'est vraiment parfait. Voilà. Hop, terminé. Là je vais couper une bonne longueur, on va dire 45 cm, pour être large. Hein. Et maintenant je vais tout simplement monter un hameçon numéro 2. Alors je prends un hameçon, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, Armapoint Short Curve numéro 2. Je prends un petit peu de gaine en silicone, que j'enfile directement sur mon bas de ligne. Voilà. Là je prends mon hameçon et je vais piquer la gaine à l'intérieur. Comme ça. Et je vais l'enfiler directement sur la hampe de hameçon. Alors quel est l'intérêt de ça? L'intérêt de ça, c'est que ça va permettre un meilleur alignement du fil qui est déjà rigide avec la hampe de l'hameçon. Et mon frère et moi, on pense que c'est une bien meilleure présentation. Et surtout, ça évite que ça s'en mêle en général. Voilà, et je vais faire un nœud sans nœud, tout bête. Hein. Tout ce qu'il y a de plus simple. Souvent, les choses simples marchent très très bien. Hein. Notamment en rivière d'ailleurs. On est sur des poissons plutôt sauvages qui ne vont pas forcément être toujours très regardants sur la, pas sur la présentation, mais disons sur le type de montage, plutôt que des poissons éduqués de gravière. Voilà, j'ai juste à repasser mon transkaki 50 centièmes dans le hiet et j'ai réalisé mon bas de ligne. Quelque chose de très très simple. Hein, très simple. Alors, ce qui est bien avec ce matériau, c'est qu'on peut légèrement le chauffer pour lui donner une petite courbure. Et moi, personnellement, j'aime bien qu'il y ait une petite courbure, ça rend le montage beaucoup plus agressif. Et aussi, ça permet que lorsque les blancs tirent sur l'èche, eh bien, le bas de ligne a tendance à revenir un petit peu comme ça. Ce qui fait que lorsque la carpe va aspirer, le bas de ligne n'est pas encore tout à fait tendu. S'il est encore tendu, il y a toutes les chances pour que la carpe soit trop loin de l'èche, et l'èche ne rentre pas dans sa bouche, soit ça aille trop profond. Là, en l'occurrence, le fait que le bas de ligne soit légèrement courbé, ça permet que la carpe aspire, ça décolle, et l'hameçon est parfaitement présenté au niveau de la lèvre inférieure. Alors, en termes de système plomb, pareil, de la simplicité. Je prends un plomb Fox, tout bête, 284 grammes, inline. Je passe mon snag leader 60 centièmes. On est quand même dans une rivière dans laquelle il y a beaucoup de dressaines, il y a pas mal d'obstacles, il faut faire quand même attention, donc on prend un leader assez solide. Un émerillon anneau. Je fais un nœud baril, hein, tout bête, pareil. Voilà. L'avantage du snag leader, c'est qu'il coulisse vachement bien. Bon, j'ai tendance à l'humidifier un petit peu, mais c'est pas forcément la peine, hein, il coulisse très bien. Il fait des jolis nœuds, ce qui est assez rare pour un nylon. Voilà. Alors, le système plomb est maintenant réalisé, et là, je vais utiliser un petit extra. J'utilise un manchon, en fait, c'est fait pour les Y à la base, mais moi, j'utilise ça pour rigidifier encore une fois mon bas de ligne. De toute façon, à ce qu'il soit vraiment bien tendu, nickel. Alors, j'enfile le manchon sur mon transkaki 50 centièmes. Ça se fait tout seul, hein. Naturellement. Il est déjà tellement rigide, le transkaki, qu'il passe très facilement à travers le manchon. J'ai plus qu'à réaliser un nœud baril. Voilà. Bon, je sais que j'ai tendance à faire les montages avec les dents. Je sais que j'en ferai hurler plus d'un, mais j'ai tendance à utiliser les dents pour serrer mes nœuds contre les anneaux des mérillons. Je coupe l'excédent. Le petit excédent qu'il y a ici, je l'aligne
contre le bas de ligne et je vais faire maintenant rentrer le manchon taille XL. Donc je récapitule, j'ai un snake leader 60 centièmes, vraiment costaud, même à toute épreuve en fait. Un plomb là 284 grammes, bon ça fait un peu lourd mais on est en rivière, c'est pareil, il y a du courant. Le petit manchon qui permet d'avoir une bonne rigidité pour le bas de ligne, on le voit très bien là. Et ensuite le bas de ligne réalisé en transclaquis fluo 50 centièmes. Une petite boucle et une bouillette qui fonctionne bien. Voilà. Pour conclure, c'est quoi l'intérêt de ce montage plutôt qu'un autre? Pourquoi prendre du rigide plutôt que du souple? Moi déjà, quand je dépose en bateau, j'ai remarqué qu'avec du souple, une fois sur deux, on s'en mêle. Donc je préfère prendre du rigide quasiment systématiquement. Le deuxième intérêt, c'est que ça agit un petit peu comme une tapette à souris, c'est-à-dire que en fait, le bas de ligne rigide va avoir tendance à propulser la bouillette à l'intérieur de la bouche de la carpe. Et moi, je suis persuadé, même si je ne l'ai pas vu vraiment de mes yeux, que ça fonctionne mieux que du souple. On a quand même des bons résultats avec ce type de bas de ligne. Et évidemment, le seul hic, c'est qu'il faut que ce soit un petit peu articulé. Donc l'articulation, il y a deux solutions. Soit on le réalise avec un émerillon en inch de stiff rig, soit on utilise, comme je le fais, un émerillon à anneau, juste à la sortie du plomb, de façon à ce qu'il y ait au moins une petite articulation pour que l'hameçon puisse éventuellement pivoter selon le sens d'arrivée de la carpe. Si la carpe aspire par ici, que ça puisse pivoter comme ça, et si la carpe aspire par ici, que ça puisse pivoter comme ça. Voilà, nous en fait avec Mathias on est posté 500 mètres en aval de Nico et Alexis. Donc on a un poste sympa avec le chenal qui passe pas très loin. Donc c'est quand même intéressant à pêcher. Il y a beaucoup de dénivelé sous l'eau, il y a énormément de choses intéressantes à pêcher. Et on est arrivé hier soir, le temps qu'on sonde, qu'on regarde un peu tout ce qu'il y avait d'intéressant, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps. On a pêché, il devait être 1h du matin, 2h du matin, on a choisi de pêcher très large. D'étaler au maximum l'amorçage pour garder les poissons sur le poste lorsque le bond va passer. Mais bon, pour l'instant, ça n'a rien donné. On a fait juste une brème, bon, énorme, une énorme brème de quoi, de, on va dire 2-3 kilos. Ouais. Et voilà, bon, là, pour la nuit qui arrive, on replace les montages avec Matt. Donc nous, on fait toujours comme ça. C'est-à-dire que ben là, c'est ma canne, donc c'est Mathias qui rame. Et ça permet d'être vraiment précis. Lui, il stabilise bien le bateau, qu'il y ait du vent, du courant, ça nous permet de pêcher exactement où on veut. Comme ça d'aller à deux en bateau en fait. Celui-là en fait sur ce spot, en fait il y a le chenal qui passe ici, donc où naviguent les péniches et tout ça. Et en fait il y a une cassure très nette qu'on pourra voir l'écho d'ailleurs tout à l'heure. Et en fait ça passe de 6 mètres à 2 mètres, 2 mètres 50. Et juste à cet endroit-là, il y a un petit plateau avant la remontée, avant la grosse cassure. Donc il y a 6 mètres, ça monte à 5 mètres, donc ça fait quand même une bonne petite marche et après il y a la grosse cassure. Donc forcément, c'est dans plein courant, il y a plus de chances qu'il y ait beaucoup de nourriture naturelle qui s'accumule. Donc on a décidé de pêcher ce spot-là. En fait, le repère est placé juste à la cassure. Donc à l'angle que fait donc le fond avec la cassure. Et moi, je vais poser 1,50 m, 2 m devant. Quoi. Sachant que les poissons, ils vont sûrement longer la cassure comme ça, le fil du repère ne dérangera pas l'arrivée des poissons. Donc en fait, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que hier, on a quand même sacrifié notre première nuit de pêche pour placer de manière optimale nos repères. Donc on sait exactement ce qu'il y a au fond, on a passé au moins une demi-heure, trois quarts d'heure par repère. Donc là, il y a une marche hein, qui est vraiment flagrante. Donc là, j'essaie vraiment de tâter un peu du plomb pour trouver une zone un petit peu plus dure sur cette marche, quoi, qui est dans 5 mètres d'eau. Et en fait, cette marche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y en a pas partout dans le chenal. Donc c'est quand même un spot assez sympa à pêcher, parce qu'il est quand même assez singulier. Là, je suis bien, je retire juste d'un mètre pour... Voilà, bing, c'est un peu dur, là, c'est parfait. Tu mets trois bouillettes dessus? Vas-y, ouais, s'il te plaît. Vas-y, un peu au-dessus. Ouais, parfait. C'est bon? Ok, nickel. Hier, on a déjà beaucoup amorcé, et c'est vrai que ça n'a pas mordu non plus que ça, on n'a pris qu'une brème, comme je disais tout à l'heure. Donc, pour provoquer une touche le plus rapidement possible, on ne met pas trop de bouillettes. Comme ça, on espère que s'il n'y a que quelques poissons en appétit, eh ben, ils tomberont plus facilement sur l'appât. Que si on amorce plus, il y a moins de chances que ça morde tout de suite. Je pense qu'il reste encore pas mal de bouillettes dans l'eau d'hier, donc ouais, ça sert à rien de trop en rajouter. Ça sert à rien de trop rajouter. Elle est vraiment pas mal, je suis content celle-là. Hein.
Elle est bien placée. Hein. Ouais, elle est bien placée, ouais. L'avantage de bien repérer en fait les zones, de prendre son temps pour placer ses repères, c'est qu'après on gagne énormément de temps lors des déposes des montages. Là, en quelques secondes, je peux savoir exactement ce qu'il y a au fond et être sûr d'être très précis. Bon, par rapport à Alex et Nico, nous, le chenal, il passe vraiment plus près. Et du coup, on a les péniches qui sont juste pratiquement au sion des cannes. Bon, j'exagère un petit peu. Et on est obligé, par précaution, de mettre des backlids. Et des backlids costauds, hein, parce que, en fait, avec la vague des traves, ça a tendance à soulever un peu le fil. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met juste un quick link, comme ça, tout bête, hein. Avec un plomb de 110 grammes, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça, 110 grammes. Hop, ça coulisse bon. Parfaitement. Ok, vas-y, mets-toi dans le bon axe. Ouais, remonte un petit peu. Vas-y, remonte un peu. Recule un peu vers le poste que je tende la ligne, et après je vais pouvoir le lâcher. Vas-y, encore un petit chouïa. Attends, bouge pas. Allez, je le lâche ici. Super. Voilà, parfait. Hop, je le laisse couler au fond. Hop là, on est en plein milieu du chenal, dans 6,50 m de fond. Donc là, normalement, la péniche peut pas prendre la ligne. Et voilà, tour est joué. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon alors Mathias et moi, c'est vrai qu'on aime bien écarter nos cannes. Parce que ça nous a souvent rapporté des départs de ne pas grouper les montages au même endroit. Donc voilà, là c'est la canne la plus à gauche de notre stratégie, enfin de nos 8 cannes. Donc celle-là est sur un pic. Voilà, c'est celle qu'on vient de déposer là. Après j'ai deux cannes sur le rod pole juste là. Après encore une canne sur un pic. Et en fait les montages sont espacés d'environ 50 mètres chacun. Donc avec 8 cannes, ça nous permet de pêcher sur 400 mètres de long. Et donc vraiment d'intercepter les différents bancs de poissons qui pourraient passer, qui pourraient quadriller cette zone quoi. Bon Matt, on va tirer la dernière canne vite fait parce que là il va bientôt faire nuit. Ouais, allez, faut se dépêcher là. Je crois que c'est l'heure parce que après on n'y aura plus rien. C'est bon, elle est relâchée celle-là ou pas? Non mais je le ferai dans le bateau. Tu le feras dans le bateau? Ouais. Ah vas-y, monte vite là. Allez, c'est parti. Ah, bah toi, ça va faire encore un bon après-midi ça. Hein, ouais. Le boulot. Et ben voilà, on a notre premier poisson de cette magnifique rivière. Ça fait vraiment plaisir. Bon, c'est pas un poisson extraordinaire, c'est une jolie petite miroir et ça donne vraiment espoir pour la suite. Je pense que bon, ben, peut-être que les gros poissons vont finir par arriver. On est vraiment, vraiment, vraiment content. Tu l'as vu? Ouais. Super. Nickel. Super poisson. Plaisir. Allez, bientôt la suite. Une première nuit infructueuse, cette jolie miroir d'un peu plus de 16 kg est venue me rendre visite à 4h du matin. Donc changement de un peu de stratégie pour cette deuxième nuit. J'ai été chercher les poissons un peu plus loin, sur un fond dur au milieu d'une grosse densité de vase. Donc je vais m'empresser de la remettre à l'eau et puis vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé, vous montrer le montage et puis vous m'accompagnerez pour redéposer cette canne. Ce matin, je suis parti faire quelques heures en stalking en bateau, là, sur la berge d'en face. Et j'ai réussi à mettre au sec ce magnifique poisson. Une très jolie commune, il lui manque pas une écaille. J'utilise une méthode vraiment très simple. Hein. J'ai un bas de ligne rigide avec une bouillette dense. Et je pêche les grandes pentes de cailloux en face où il y a plein de nourriture naturelle. Et le jeu, c'est d'un peu de trouver un substrat, on va dire, accueillant pour le montage, de façon à avoir une bonne présentation. Et ben, visiblement, ça a bien fonctionné. Bon, mon frère et moi, on a essayé beaucoup de tapis hein, dans notre vie de carpiste.
Et là, vraiment, je crois qu'on est arrivé au terme de notre quête, parce que ce tapis, il est parfait, en fait. Hein. Il est rembourré de tous les côtés, la carpe ne peut pas sortir. Le fond est détachable. On a un petit rabat qui permet éventuellement de couvrir le poisson si on veut aller chercher de l'eau ou quelque chose comme ça pour pouvoir humidifier un petit peu le poisson. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est aussi primordial, c'est en ouvrant la fermeture devant, je vais pouvoir remettre le poisson à l'eau sans la moindre éclaboussure. Allez, je vais la remettre à l'eau rapidement. Voilà, faut bien humidifier et juste faire glisser le poisson, tout simplement. Et voilà, c'est nickel. Je vais à présent vous montrer le montage qui m'a permis de faire ce premier poisson. Montage très simple. En rivière, c'est pas là, on va dire, où on joue vraiment sur le côté technique des montages. Du simple et du costaud. Donc en termes de, au niveau de la tête de ligne, un bon snack leader en 60 centièmes sur 30-35 mètres, qui permettra de protéger, on va dire, ces quelques dizaines de mètres, on va dire, des accros nombreux sur le fond. Clip long classique, avec un bon 340 grammes. Permet de bien tenir le fond, surtout avec les passages de péniche qui rendent la vie assez compliquée. Baligne en fluoro, transkaki illusion, 53 centièmes. Du simple, du rigide, du costaud, ça permet de faire face au blanc. Ça ne s'en mêle pas au passage des bateaux, ça pique et c'est résistant, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Les nouveaux curve hook en taille 4 permettent de piquer les poissons correctement. Hameçon très costaud pour la rivière, ça passe sans aucun problème. Et au niveau de l'échage, un petit montage tricheur, une bille de 30 mm que j'ai légèrement taillée, une bonne tigueur, et le boulot est fait correctement. Mon premier bilan de ces deux premiers jours de pêche, donc première nuit, on est arrivé assez tard en fin d'après-midi, on a posé les lignes, mais on va dire plutôt approximativement, pas de touche, pas de poisson. Donc le deuxième jour, on a gratté un peu plus précisément, j'ai su trouver quelques spots assez intéressants. Un grand plateau devant nous, la rivière fait à peu près 200-250 mètres de large et j'ai trouvé un spot très intéressant mais de l'autre côté, à 15-20 mètres du bord. Donc c'était un fond vraiment très très vaseux, très très mou et une bande vraiment bien dure, à peu près 1 mètre 50 de large. Donc j'ai déposé cette canne hier en fin d'après-midi. Elle a déroulé la nuit dernière à 4 heures du matin. Le gros inconvénient, c'est qu'on a quand même pas mal de passages de grosses péniches. Et pour couler correctement la ligne et éviter de se la faire embarquer, hein, tout simplement, ça nécessite de mettre deux bombes à clé hein, de 120-140 grammes dans le chenal. Donc au niveau de la touche, c'est pas top, et c'est surtout que la bannière, elle frotte un peu tous les accros qu'il y a sur le fond. Donc en passant de 7 mètres à un plateau de 2,50 mètres en plein milieu, forcément, c'est pas l'idéal. Donc pour éviter les mauvaises surprises, les touches, c'est pas non plus légion, on n'en fait pas 10 par jour, j'ai un petit poste juste en face de moi qui me permettra de pêcher vraiment précisément la zone qui m'intéresse, même l'extrême bordure. Je pense que la bordure peut être intéressante. Les frangins ce matin ont capturé un poisson en stalking sous les branches. Donc pour faire simple, je vais laisser mon campement, on va dire, de base de ce côté ici du canal. Et l'après-midi, je partirai avec le strict minimum faire la nuit tous les jours pour aller en face, poser et pêcher précisément et surtout en toute sécurité pour les poissons. Et puis en espérant pêcher surtout sur les poissons et avoir davantage de bouffe.
petite mie rapide, puis un joli petit poisson à la clé. Comme quoi, il ne faut pas hésiter à bouger de temps en temps. Pêche très simple, mais très discrète. J'ai vraiment été avec le strict minimum. Et puis, je me suis installé très rapidement et je ne vais vraiment plus bouger jusqu'à ce matin. Et puis, hier soir, rapidement, deux sauts. Très rapidement, deux sauts sur la zone. Donc, les poissons étaient là. Et ce matin, à 6h, ben, une belle touche qui s'est bien concrétisée en plus. Donc, c'est vraiment parfait. Donc, je vais accoster, déjeuner. Et puis, je vous montrerai ce poisson dans quelques minutes. Ça va, Alex? Ça va, mec? La forme? Putain, ça va, tranquille. Oh, t'as pas l'air fatigué, toi? Ouais, ça a pas donné plus que ça, franchement. C'est dur. Ouais, c'est dur. Ouais. Dur. C'est pas top top. Je fais un poisson en face, là, ce matin. Ah, tu fais un poisson, quand même? Ouais, okay, 6h. Okay. Miroir, 15-16 kilos, un peu comme hier. D'accord. Okay. Mais tu sens que c'est pas la fête, quoi. Bah, nous, c'est un peu pareil. On a fait une commune, tu vois, avec des écailles, ouais, un peu bizarres, là. Mais bon, une petite, hein, tu vois, pas extraordinaire. Non, c'est compliqué, il faut vraiment gratter, tu pètes un poisson comme ça qui passe par là et puis voilà quoi. Moi je sais pas, hier on a passé 5 heures sur l'eau avec le frangin, un truc, ouais, comme ça, tu vois. Et pas moyen de trouver, enfin on a trouvé des spots, hein, des spots de fou, hein, mais pas moyen de voir, ouais, des poissons. Un peu d'activité hier soir? Non, rien, même moi, pas. J'ai rien vu sauter. Non. Moi j'ai deux poissons qui ont roulé juste devant moi, à 15 mètres du bord là où j'ai touché ce matin. Ouais voilà, t'en prends une et puis c'est ça. Terminé quoi. T'en prends une et puis basta. Mais tu sais quoi, je vais remonter un peu à pied là, je vais, ouais, aller faire un saut, là, je vais partir pendant une heure, je vais voir un petit peu ce qui se passe au-dessus. Parce que, ouais, ça peut être intéressant. Je sais pas, tu vois, vu qu'il y a le barrage plus, ouais, bas, à mon avis, mais c'est pas... ils sont peut-être un peu plus haut quoi. Ouais, puis de toute façon, il y a des poissons, mais c'est pas ici que ça se passe quoi. Ouais. Donc, Nico, tu sais pas? Je sais pas, non. Il dort encore, c'est pas très bon signe. Je vais le réveiller, je vais le secouer un peu. Essaye. Bon, ça roule. Bon, j'y vais, je travaille. Ouais, ça marche, pas de soucis. À terme, allez, tout de suite. Ciao. Bon, voilà le quatrième poisson de la session pour Matt et moi. Une jolie petite commune qui fait bien plaisir, nous a fait un bon combat, quoi, vraiment sympa, 3h du matin. Je l'ai pris sur le haut fond, à 60-70 mètres du bord, là, dans 2,50 mètres d'eau. Donc, bon, bah, c'est pas un poisson énorme, mais ça fait toujours plaisir, c'est cool. Et voilà, bon, bah, je vais pas trop traîner, je vais la remettre à l'eau. Notre miroir cette nuit, celle que j'ai fait sur le poste d'en face. Bon, joli poisson, bien rond, on voit que le thon approche. Malheureusement, un poisson qui connaît les captures, on le voit, hein, quelques traces malheureusement. Il n'a pas l'air très vieux, mais il est déjà un peu abîmé. On ne va pas le faire souffrir davantage, très très vite en mettre à l'eau. Et puis replacer les lignes rapidement et espérer qu'il y en ait d'autres qui traînent dans le secteur. Bon, en tout cas, ça fait une touche pour cette nuit, encore une fois. Donc bon, on va persister, insister, et puis et voir s'il y en a d'autres qui traînent dans le secteur. Je vous emmène déposer la ligne qui a démarré la nuit dernière quand je faisais ma nuit sur la berge d'en face. Donc c'était un spot qui est assez loin du bord où je suis installé, hein. Il doit à peu près avoir 150 mètres. La particularité, c'est que sur cette partie de la rivière, on a le chenal principal où circulent les péniches.
On a ensuite un énorme plateau qui remonte à 3 mètres d'eau à peu près, entre 2 mètres 50 et 3 mètres. Et on a le deuxième lit, l'ancien lit de la rivière, qui redescend vers 4 mètres, 4 mètres 50. Et juste avant le tombant de ce lit, on a un fond un peu dur. Donc je vous emmène sur le spot et je vous montrerai plus précisément exactement de quoi est composé le fond. Donc là, je vais déposer le montage. Donc tout le profil de cette berge, à partir du cassant, est complètement vaseux, très très mou. On sent clairement le plomb qui s'enfonce vraiment franchement. Et d'un coup, à quelques centimètres d'intervalle, on sent que le fond est vraiment très dur. Sur une bande d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Et quand on continue à se décaler de la berge, on retrouve un fond très très mou. Donc les poissons, je les ai déroulés vraiment sur cette tache de dur. Je pense que ça a vraiment constitué une zone de passage pour elles. Donc je vais vraiment affiner le sondage pour vraiment déterminer cette tâche très dure posée proprement et puis revenir sur le poste. Fin de session un peu précipitée, forte baisse des températures, l'eau est passée de 18 à 14 degrés en quelques jours. Donc on va pas s'éterniser ici, hein. C'est très compliqué de capturer un poisson. On pêche vraiment pour capturer un poisson de raccro par nuit et encore. Celle-ci est la seule capture de la nuit dernière sur 4 pêcheurs, donc c'est très compliqué. Bon, ceci dit, on a passé un très bon moment, ça reste le principal, on en gardera un excellent souvenir. Et puis on va s'empresser de recharger les voitures et de repartir vers de nouvelles aventures. Ouais, c'est vrai que bon ben voilà, l'essentiel est dit, on a passé un super bon moment ensemble, permis de nous retrouver un peu. On a bien mangé, on a bien rigolé, ouais, c'était cool. Rigolé. Et puis voilà, ben on fera mieux le prochain coup. C'est la pêche. C'est la pêche. C'est la pêche.
Nico, tout d'abord, merci de nous laisser nous immiscer sur ton tournage de ta quatrième nuit avec Nico. Avec plaisir. Donc, non, franchement, c'est sympa, d'autant plus que c'est une série qui vraiment plaît beaucoup. On vient de voir cette session en Moselle, donc à un moment de l'année, octobre, qui est un peu qui tout double. Pas évident. Ouais. Non, pas évident. C'est apparemment C'est un peu viandé. Personnellement, je me suis carrément viandé parce que bah, je suis capot. Malheureusement, ça fait partie de la pêche. Alexis tire son épingle du jeu en allant gratter quelques poissons. Les frères Rousselot, bah, fidèles à eux-mêmes, c'est des machines. Machine. Moi, je les ai vus pêcher sans même les voir faire de poissons. J'étais juste impressionné, quoi. Ils ont une logistique et une observation de leur lieu de pêche et ils ont une manière de l'appréhender qui est juste énorme. On a beaucoup à apprendre d'eux. Donc, ouais, un peu déçu de ne pas avoir fait de poissons. On a eu une flotte qui s'est vachement rafraîchie. La semaine d'avant, les mecs pêchaient en t-shirt. Nous, on avait les doudounes et tout. Il y avait du vent, il faisait froid, le débit avait un petit peu augmenté. Mais voilà, moment partagé avec les potes, donc la pêche c'est ça, c'est de la bonne bouffe, des copains, des coups à boire, puis des poissons. On a vu qu'effectivement on a pu s'apercevoir que l'ambiance était restée au beau fixe, et puis ben, c'est ça la pêche quoi, hein. On est tributaire des conditions, et puis c'est on essaye de s'adapter au mieux. Je vais te laisser parce que ben, y a Mathieu Farge hein, qui squatte aussi pas loin, et j'ai l'impression qu'il se passe des choses sur son poste, donc on va vite aller le rejoindre. Je te remercie Nico. Alors une pêche en mode convivial, et pourtant Nico et moi on s'est vite rendu compte que compétiteur d'un jour, compétiteur toujours, Mathieu a une réelle attention aux détails, vraiment méticuleux et un volume de travail assez impressionnant au bord de l'eau. Et puis ça paye avec ce magnifique poisson Mathieu pris ben là, au lever du soleil, hein, superbe dans cet endroit magnifique. Et vraiment ça fait plaisir et puis ça motive de voir un peu comment tu t'y prends et bah, t'arrêtes pas une minute quoi. Alors moi ce que je vous propose c'est d'aller retrouver cette attention au détail, ce gros volume de travail carrément en enduro, puisqu'on vous propose de suivre pour un 48 heures Mathieu accompagné de Julien. Ça se déroulait à Pescalis en novembre dernier. Exactement. Pour un 48 heures et vous allez voir ça envoie. Bonsoir à tous, ambiance assez atypique ce soir. Effectivement, nous sommes la veille du 11 novembre. Nous sommes ce soir dans l'appartement sur le plan d'eau de Pescalis, où nous avons décidé, Matt et moi, de venir la veille de l'enduro afin de terminer les derniers préparatifs. Avec Matt, on a pour habitude de commencer par sonder l'ensemble du plan d'eau. Donc c'est pourquoi on essaye d'arriver la veille en général pour essayer de choper la hauteur d'eau, le substrat et essayer de voir les différentes distances, les distances de pêche. Sur le site actuel, nous avons l'avantage d'avoir un site très détaillé, avec des profondeurs et éventuellement en plus les différents postes situés sur l'ensemble du plan d'eau. Nous avons aussi les distances répertoriées en fonction des îles et des berges opposées. Nous avons aussi un autre avantage, c'est que Matt est déjà venu pêcher sur le plan d'eau. Il a effectivement fait un entraînement avec les Pics de France. Il était situé, si je ne m'abuse, sur la digue, pêche entre les deux îles. Sur ce poste-là. Donc là, on est le 11 novembre. Les informations qu'on a pu prendre aujourd'hui, c'est que bon, les tendances sont assez dures, les poissons sont très peu mordeurs. Voilà, les pêcheurs cette nuit ont entendu vraiment les poissons sauter. Donc vraiment dans la zone où, qui est battue par le vent depuis quelques jours. Donc je pense que tout est à faire. Demain matin 10h, ce sera le tirage. Donc aucun poste direct, enfin ce n'est pas un tirage direct. Donc on tirera deux boules et en espérant avoir un poste prometteur. Bon, je sais pas ce que tu penses, mais moi de toute façon, je pense que les poissons, ça va se passer sur le centre du lac. Et dès qu'ils vont prendre la pression de pêche, ils vont partir dans les zones plus profondes. Ouais. De toute façon, quand tu regardes dans cette partie, ce qu'on a pu voir cet après-midi, c'est qu'il y avait très très peu d'eau ici. Le vent dominant ouest, je pense que cette zone est à éliminer. Je pense qu'il y a forcément tout des poissons, fait. Mais tout à fait. La majeure partie des carpes se situera ici. Donc avec la pression de pêche, elles vont se situer, à mon avis, se rapprocher du milieu du plan d'eau. Donc les zones à favoriser, à mon avis, ça va être ce milieu. Quoi.
tirage est dans une heure. Après, on aura, à partir du tirage au sort, deux heures pour se mettre en place puisque la compétition commence à midi. Là, on commence à repérer un peu, là, il y a quelques fouilles devant nous. Et là, on vient de regarder l'eau qui est quand même assez chargée. Donc déjà, à mon avis, pour une pêche aux ix, ça va être un peu plus compliqué. Ouais. Donc, l'activité, c'est voilà. Pas trop ça. Non, pour le moment, c'est... Le sort commence, donc là on va regarder les postes qui vont s'éliminer les uns après les autres. Là maintenant ça peut être long, très long. Mais là je garde le plan par rapport aux postes qu'ils vont tirer, pour histoire de voir où c'est qu'ils vont être situés sur le plan d'eau. Quoi. Ouais, je viens de choisir le poste 17. Le poste 17, c'est un très très bon poste. Le vent était battu sur cette berge pendant plusieurs jours, donc c'est un poste, à mon avis, je joue le podium, ça. Jaco Pierry, Vernot Maxime. Bon, en général, en compétition, c'est assez aléatoire, en fait, hein, c'est les tirages au sort. Vaut mieux tirer. Moi, j'aime bien tirer généralement au milieu, parce que souvent, en fait, on se place en fonction des postes qu'on aimerait choisir, mais des fois aussi en fonction des compétiteurs. Si on arrive à savoir s'ils pêchent ou pas, et on peut se positionner en fonction du poste et du mec qui est sur le poste d'à côté. Mais là, le problème, c'est qu'actuellement, tous les postes, c'est pris et c'est vraiment des très bons postes, quoi. Bon, il en reste encore quelques-uns, mais... Il n'y a que 16 postes, 4 équipes de passer, donc ça fait vite le tri. C'est sûr. 7 il est pas pris. 7, 8, 9. Allez. C'est parti. Le 13. Et le 1. Ben allez, le 13. Poste choisi, le 13. Donc là, a priori, donc, nous on a le poste 13. Ce qui est bien sur ce poste-là, c'est qu'on aura plusieurs pêches à faire, a priori. Je pense qu'on aura la pointe de l'île à pêcher, ce qui peut être très intéressant si les poissons tournent autour. Et on a une pêche de pleine aussi, où ce matin, on a vu pas mal d'activités. Donc, surtout les activités, ouais. Ouais. Bon, le 1, tout simplement, complètement enfermé, il est complètement fermé par les autres postes. Après, c'est un poste de digue, c'est jamais des mauvais postes, mais bon, il est enfermé par le 2, le 17, le 3. Et puis l'activité de ce matin, on a initié de prendre le 13. Ouais, exactement. Et qu'il y a un poste l'activité même... principale était vraiment autour, ouais. Autour de ces postes-là. Donc, ça reste un poste honorable, quoi. Ouais. C'est pas une casserole. Donc à voir maintenant, on ne sait plus qu'à pêcher, puis le reste, on vient le dira. Ben là, on va débarrasser tout le camion déjà, vider, s'organiser. Après, je vais m'axer sur placer monter toutes mes cannes pour au coup de départ, en fait, mettre le canne le plus rapidement à l'eau, quoi. Donc voilà, mais déjà, il y a gros de boulot. Décharger tout le camion, ça va nous prendre déjà un peu de temps. Et là, on prépare le chien de vie. On va commencer à faire cuire parce que ce qui est important, le chien de vie, c'est de le mettre vraiment très frais. Voilà. Au bout de 24 heures, c'est moins. Il tourne très vite le chien de vie, donc je pense que ça s'utilise vraiment 24 heures après la cuisson. Voilà, l'avantage de ce poste, c'est qu'on a vraiment un axe de pêche, un champ relativement large. On a des distances de pêche, l'île là-bas doit être à environ 170-180 mètres. Sur notre gauche, il est orienté très légèrement sur la pointe, donc ça veut dire qu'on a un axe, on a une zone de pêche qui est vraiment, vraiment très large, quoi. Suivant la distance à laquelle le poste 11 pêche, ça nous fait une zone, il y a un poisson qui vient de monter là-bas, où les poissons vont pouvoir être vraiment tranquilles, quoi. C'est important en enduro qu'il y ait des zones, on va dire, entre guillemets, un peu mortes. C'est des zones où les plombs ne tomberont pas, où généralement les poissons se sentent en confiance. Et c'est toujours bien de pouvoir en bénéficier, quoi. En fait, là, on va attaquer gentiment, en attaquant des distances relativement proches. Parce que plus on avancera dans la pêche et plus on éloignera les lignes. Donc là, on va pas faire de bruit, on va lancer des cannes avec des petits sticks, avec des choses de très discrètes. Et puis on verra en fonction de ça si les poissons veulent mordre ou pas, quoi. Après, je pense qu'on essaiera peut-être de sonder en fin d'après-midi pour pas faire de bruit tout de suite d'entrée de pêche.
Et par la suite, le soir, on mettra peut-être un amorçage en place, histoire de pouvoir faire quelques carpes dans la nuit. Quoi. Donc, Et bien là, j'ai la canne, la Horizon X, en 12 pieds 3 livres et demi, avec un petit FX9. C'est vraiment un petit régal. C'est ultra léger et ça s'adapte absolument pour la compétition. On va dire avec un montage choix de rig ou qui rentre très bien dans l'air, un FX9 en 25 centièmes avec la canne, la X, la Horizon X, 12 pieds, 3,5 livres, 180 mètres. Voilà. En fin de compte, le mounet est très léger, donc on va gagner énormément au niveau de la rapidité et au niveau du lancer. Donc forcément, on va pouvoir gagner encore des distances grâce à voilà, on va mettre beaucoup plus d'inertie dans la canne. Bon, voilà, je vais monter les idômes là. Donc ça bivit, l'avantage c'est qu'il se montre très très rapidement. Donc je vais monter rapidement là, et puis du coup après on va lancer les cannes, parce que d'ici 10 minutes ça va être parti. Donc là la compétition a démarré, il est midi. Donc là on vient de lancer nos cannes uniquement avec des sticks pour essayer de faire des poissons qui seraient sur la zone assez rapidement. Donc on va pêcher comme ça pendant une heure ou deux, essayer de gratter, changer un petit peu de distance. Et par la suite, je pense qu'en début ou milieu d'après-midi, on va commencer à sonder un peu la zone et réfléchir au coup qu'on va, à l'amorçage qu'on va faire ce soir. Voilà, maintenant il est 4 heures l'après-midi, donc on a décidé avec Matt qu'on allait faire un amorçage à longue distance. Donc là on va se caler à 130 mètres, on a passé un coup de sondeur dans l'après-midi, mais on a remarqué qu'à environ 120 mètres on avait quelques accros. Donc je pense que c'est dû à des gros blocs de cailloux, ou alors peut-être des anciennes souches qui sont coupées vraiment à ras. Donc on va pêcher juste derrière cette zone, donc on va amorcer, donc la zone est exactement à 130 mètres. On va commencer par mettre des lignes en périphérie, parce que c'est quand même une quantité d'amorçage qui n'est pas négligeable. Donc on va se mettre en périphérie, on va pêcher entre 5 et 10 mètres derrière. Et plus la nuit va avancer, plus on recalera les cannes dans l'amorçage, en espérant que les poissons aient bien rentré dedans. Quoi. Pour cet amorçage, j'ai mis du maïs doux, des noix tigrées, on a mis des pelés en 7 mm, pelés copains qui sont hyper gras. Donc il y a nos maïs doux, noix tigrées, chêne vie, voilà quoi. C'est rien de bien compliqué, mais c'est des choses vraiment dans lesquelles qui me réussit beaucoup lors des compétitions. Donc pour l'amorçage, j'utilise les cannes Horizon XT en 13, les Spod. Donc c'est des cannes qui vont très très bien, sans forcer on peut atteindre de très très bonnes distances. J'utilise les Impact Spod, donc sur les gros modèles pour celui-ci, étant donné qu'on met des grosses quantités d'amorçage, il faut que ça tombe entre guillemets le plus vite possible. Quoi. On va pas y passer beaucoup de temps. Donc. Mais non, 130. Ouais. En ce qui concerne la ligne, tout simplement, j'utilise la tresse Spod que l'on a en 18 centièmes, avec une arrachée en tresse également, sur un diamètre qui doit faire environ 23 centièmes, une résistance plus ou moins de 25 kg. Quoi. Une grosse arrachée pour accuser le lancer, autrement ça céderait. Chaussures de cricket, et donc ça permet surtout quand on va permettre de faire des longs lancers,
de transmettre toute la force sur la canne. C'est-à-dire que quand on va arriver sur l'appui, au moment donné, vraiment où on va transférer la masse de charge en avant, qu'on ait vraiment tous les appuis nécessaires pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a aussi un peu déblayé tous ces cailloux pour vraiment avoir une bonne accroche. Et ça qui est très très important. Donc voilà, rien que ça, ça peut faire gagner déjà des mètres très précieux. Voilà. Bon, et bien voilà, clairement, le bilan de la journée, il n'est pas compliqué à faire. Donc on vient de voir les commissaires, ils sont passés nous voir. Concrètement, il ne s'est fait aucun poisson sur le plan d'eau. Donc bon, c'est ce qui présage que la session risque d'être assez compliquée. Donc pour l'instant, on continue à pêcher un petit peu en dehors de notre amorçage. Si les poissons ne semblent pas s'alimenter, ça ne sert à rien de pêcher sur les coups amorcés. Donc pour l'instant, on pêche toujours en périphérie. On rejette les cannes régulièrement, histoire de trouver les poissons, quoi, s'il y a moyen de déclencher une touche tout de suite. Voilà, moi j'ai à peu près adapté sur une base de 2-3 kg de bouillettes. Et voilà, très précis, et quelques unes éparpillées autour au cobra. Et Juju, voilà, il a mis quand même pas mal de particules. Ouais, ouais. Un petit 10 kg. Ouais, 10 kg de particules diverses. Concrètement, moi je pense que je vais rester, enfin je vais toutes les deux heures me lever pour essayer de relancer les cannes, mettre des appâts frais et pour essayer toujours dans l'optique de déclencher des touches assez rapidement. Je vais leur relancer qu'une seule canne, je vais laisser une canne pêcher pour pas mettre, parce que moi j'aime bien booster mes appâts. Donc je vais laisser une canne en dehors de l'amorçage, donc pêcher toute la nuit et une toutes les deux heures que je vais relancer régulièrement pour en la déplaçant régulièrement, en essayant de mettre un coup devant, un coup derrière, un coup dedans. Et moi pour ma part, comme on dit par chez nous, je vais faire le ragondin. Donc voilà, je vais rester dehors cette nuit pour voir, une partie de nuit, pour voir s'il y a d'activité, quelques poissons qui bougent, qui sautent. Pour voir des fois, on peut lancer une canne sur un poisson qui saute, on sait jamais, des fois ça c'est déjà arrivé quand on arrive à attraper des poissons comme ça. Et puis voilà, je vais faire un peu comme Juju, je vais relancer toutes les deux heures. Et voilà, on va essayer de varier un peu les appâts, essayer de faire aussi travailler soit dans l'amorçage, soit derrière, on va voir, ou même devant. Aujourd'hui, on avait un ciel qui était vachement clair, on avait un peu de soleil. On avait le vent qui soufflait sur notre berge, ce qui était assez bon. Il a fait assez frais, demain normalement il doit pleuvoir sur l'ensemble de la journée, donc est-ce que ça va brasser un peu les couches d'eau, est-ce que les poissons vont se mettre à s'alimenter, bouger un petit peu plus. On verra bien, en tout cas ouais, ça peut pas être mauvais. Il faudra faire mise au point de la nuit, quoi, ouais. Demain matin. Demain matin on en saura plus et puis durant la journée ça risque de changer, donc ça peut être pas mal. On est 4h du matin et première touche donc sur une canne placée 10 mètres derrière l'amorçage. J'étais d'ailleurs sur le point de presque relever cette canne là, donc un peu de chance sur le coup. Donc on va espérer la sortir, parce que le premier poisson c'est quand même assez important en enduro. C'est quand même ce qui nous permet de rentrer dans le classement. Donc on va essayer d'assurer celle-ci. Ça a l'air bien virulent par contre. Hein. Comment ? Ça a l'air bien virulent. Le poisson tire pas des masses. Ouais, on s'est réveillé avec Juju à 1h30 pour relancer les cannes. Et juste après, il y a dû y avoir, je sais pas, 20 ou 30 sauts. Et je pense qu'on passe quand même à côté de quelque chose. Donc j'ai pas relancé exprès pour éviter de faire trop de bruit parce que le poisson il était vraiment devant. Et bon, il vient de faire une touche, c'est quand même déjà pas mal, je pense. Mais je pense qu'on passe quand même à côté de quelque chose. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de poissons et du gros. Dans.
Allez, go. Allez, viens. Du coup, là, pour le coup, le montage est relativement simple. Hein. Donc, un petit stick avec 2 grains de maïs plastique et puis avec un petit booster fruité. Donc, juste 10 mètres derrière l'amorçage. Donc, on va la remettre de la même façon. Et l'autre canne, je vais la rapprocher. Je vais la mettre juste 5 mètres derrière pour voir si les poissons ne seraient pas en train de se rapprocher de la zone d'amorçage. Pour le coup, je vais relancer les 2 cannes. Ça sera prêt pour le lever du jour, ça sera pas mal. Donc voilà, seulement après une heure, après avoir recalé la deuxième canne. Donc celle-ci vient de partir. Ce coup-ci, c'est la ligne qui est vraiment 5 mètres derrière l'amorçage. Donc, en compétition, on peut vraiment noter que la précision, c'est vraiment important. Lorsqu'on clip ces lignes, on peut vraiment gérer le placement de ces lignes de crochet. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Décroché. Pas possible. Petit matin, je prépare de l'eau non pas pour le café, mais tout simplement je vais faire fondre des pelés. On a des pelés en 9 mm qui sont assez gras, mais vu que les températures d'eau sont relativement basses, on a pris hier à 9 degrés. Donc je vais faire ébouillanter de l'eau et les verser sur mes pelés. Je vais les laisser tremper pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Comme ça ils vont commencer à fondre. La première pellicule du pelé va commencer à vraiment se dissoudre et ça sera encore plus attractif. Dans les eaux un peu plus froides, c'est toujours intéressant de pratiquer comme ça. Bon, mais voilà, du coup, bilan de la nuit, on est assez mitigé. On est content parce qu'on a réussi à quand même décapoter. Donc, c'est déjà ça de fait. Après, le seul problème, c'est que plusieurs autres équipes ont aussi fait des poissons. Le problème, c'est que nous, on a capturé un poisson de 12 kg 770 et les autres équipes en ont fait des plus gros. Donc, bon, jusque-là, on est tous à égalité. Donc, c'est parfait. On va essayer dans l'après-midi de capturer d'autres poissons. Ce matin, on a ramorcé. On a ramassé sur le coup où on a fait les poissons hier soir. Donc en espérant que ça rentre durant la journée, on y croit. On a vu les autres équipes qui n'avaient pas trop touché au canaspod. Donc je pense que les équipes qui ont touché les carpes, c'est vraiment des poissons, on va t'isoler, hein, c'est vraiment des poissons de raccro. Donc avec un peu de chance, avec l'amorçage mis en place, si les poissons veulent rentrer, ça peut être sympa, quoi. Après, il faut espérer que les poissons soient coopératifs.
Donc voilà, hein, ce qu'il y en est de la partie de la nuit. Après, et là aujourd'hui, ouais, on va changer un peu de stratégie. Parce que donc sur mon coup du bord, on n'a pas fait une touche. Ça va faire depuis 24 heures. Donc on va essayer de placer une canne sur la pointe d'une île qu'on a à 180 mètres. On va y placer un petit chaude. Et voilà, on va juste le mettre sous les branches. En espérant que c'est déclenché une touche. Personne s'approchait des bordures de l'île, donc ça peut être sympa. À savoir que quand vous étiez entraîné, vous avez fait quand même quelques poissons sur la bordure, donc pose un montage, quand même on est assez confiant sur le placement de la ligne, après voir si les poissons tournent autour. Allez, c'est parti. On va le voir plus tard. Allez. Donc voilà, on parlait hier de l'importance en fait d'utiliser des marqueurs stick afin d'être le plus précis possible. Donc hier, on a touché les premiers poissons, comme on disait, en dehors de l'amorçage. Ce matin, je les ai calés vraiment à l'intérieur. Et preuve en est, puisque en remontant mon montage, j'ai ramené du maïs doux. Donc c'est ce que j'avais amorcé, c'est ce qu'il y avait dans ma base d'amorçage hier. Donc là, ça confirme vraiment bien qu'on était pile poil sur l'amorçage, quoi. En ramenant du maïs doux, il n'y a pas de secret, quoi. Bon, je vais vous faire voir deux ou trois petites règles pour la pêche au glaçon. Premièrement, on va utiliser une aiguille très fine, parce que là on va écher, donc on est sur du maïs doux qui est très fragile, pour éviter de l'écraser. Hop là. Donc là, une petite tresse très fine aussi, pareil, pour éviter de l'éclater. Hop, voilà. Un stop bouillette. Donc là, après comme moule, moi j'utilise des moules à cannelé, c'est ce qui prend le mieux dans le congélateur. Donc on a bien placé l'hameçon au fond. Et au niveau du remplissage, bien faire attention que la pointe ne soit pas piquée dans une graine. Ce qui pourrait éviter que le poisson se pique. Donc là voilà, le fil bien centré pour que ça s'avance bien, pour éviter que le glaçon tourne en l'air. Après au niveau, soit on met de l'eau, moi je préfère mieux mettre le jus du maïs doux. C'est ce que ça va faire un peu plus de tracteur en fond. Et là, ne pas le remplir à ras-bord, sinon le glaçon va flotter. Il faut juste que les grains de maïs trempent dans l'eau. Et voilà. Après une demi-heure au congélateur, et c'est prêt à lancer. Allez, c'est parti. Au moins pour 30 minutes. Et c'est un congélateur, voilà, qui marche sur batterie, qui descend jusqu'à moins 22. Et voilà, c'est la seule solution pour vraiment faire des glaçons rapidement. Bon, mais voilà, touche à l'instant. Donc c'est plutôt positif, parce que ce matin on a ramassé quand même avec une bonne quantité de particules. Du coup, c'est une canne qu'on avait mis à l'extérieur du coup qui vient de partir. Donc ça signifie bien qu'il y a quelques poissons qui tournent autour. On est début d'après-midi, il reste toute la journée, donc on espère ramener celui-ci. Ouais, donc toute petite touche. Hein. Vraiment un bip. Heureusement qu'on est allé voir, parce que sinon je pense qu'on aurait pu louper le poisson. Si pour remonter une canne ou quoi que ce soit, j'ai juste tu me dis. Hein. Ouais, t'inquiète. Faites moi non. Bah, cette touche, elle fait vraiment plaisir. Hein. Si on avait la chance de la sortir, ça pourrait nous faire remonter au classement. Surtout que ça joue à pas grand chose, donc on va creuser les doigts qu'elle revienne jusqu'au bord. We'll be right back.
nouvelle commune apparemment. Allez, c'est dedans. Yes. Bon, ça. Bon poisson. Allez. On a moins un peu ce morceau. Bon là. Ouais. Et ben voilà, jolie commune capturée un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Donc 18 450, on vient de la peser avec les commissaires. Donc ce poisson va nous permettre de remonter un petit peu dans le classement. Parce qu'il nous manquait quelques kilos pour atteindre la première place. Donc un classement intermédiaire doit tomber ce soir. On verra ce qu'il en est. Toujours est-il, ce poisson vient vraiment valider quelques points stratégiques pour la nuit. Visiblement les poissons sont peu enclins à se nourrir, donc on va continuer de la même manière, on va pêcher aux alentours de l'amorçage. Peut-être que dans la nuit on viendra pêcher dedans. Bon allez, on va remettre cette belle bête à l'eau. Si on est, ouais, on va la remettre à l'eau. Bon mais voilà du coup, dernière ligne droite, dernière nuit avant la fin de la compétition. Donc là, tout simplement, on s'applique le plus possible pour recaler les lignes exactement comme on le désire. Ce soir, on a pas réamorcé, on a remis une bonne quantité d'amorce en fin de matinée. On a fait qu'un poisson et en plus quelques mètres à côté, donc il doit rester encore au fond et on va essayer de chercher des poissons autour de l'amorçage pour commencer. Et en fin de nuit, peut-être qu'on essaiera de rentrer un peu dedans pour voir s'il n'y a pas quelques poissons qui s'alimentent. Donc on espère faire quelques poissons. On est a priori, on doit être à 1 kg ou 2 du premier. Donc actuellement, on serait deuxième au classement provisoire. Donc ça se joue à rien du tout. Donc espérons une touche au moins dans la nuit et la sortir. Voilà, comme je le disais précédemment, pour moi la précision c'est vraiment quelque chose de très important. L'habitude dans mes pêches, ce que je fais, c'est que généralement mes cannes sont vraiment parallèles tout au long de la journée ou même avant la nuit. Donc là je viens de relancer ma canne. Ce que je fais, c'est que je ne déclipe pas ma ligne. Donc là je vais la poser sur mon rod pod, je vais attendre environ 5 minutes histoire que ma bannière se tende. Et en fonction de la direction de laquelle ira ma bannière, je pourrai savoir exactement si je suis sur le coup ou pas. Donc là je vais la poser, je pense à relancer dans la direction, mais bon d'ici 5 minutes je serai fixé. Sometimes I have to question my ability. Is it really worth pursuing a career with no stability? One minute you're here, next minute you're gone. It's like you just disappear when they finish. Bon allez, on va essayer de vous expliquer un lancer à longue distance. Donc là premièrement je vais clipper ma canne. Donc il y a 5 mètres entre chaque piqué. On va faire 20 tours. Donc c'est-à-dire pour 200 mètres. Et après on va essayer de vous expliquer surtout au niveau des appuis, au niveau des pieds, en deuxième partie. Allez. Hit you up in your chest, that's how I know that there's none that couldn't give us respect. I feel the weight of a time every time I try out a step, but staying up in my drum is long. I think that I've slept long enough, even though I know I'm gonna be. I can't help stating the facts because I wanna be a somewhere. Donc voilà, ça y est, là je viens de faire donc les 20 tours. Donc j'utilise une Horizon XT avec un moulinet FX11 avec un fil de 20 centièmes et une tête de ligne, voilà, de 20 kg en tresse, bien sûr. Un plomb Horizon de 143 grammes et un tout petit bas de ligne avec une toute petite tèche pour que ça rentre bien dans l'air, pour que ça aille le plus loin possible. Voilà, donc il y en a qui utilisent la bobine haute. Moi, il n'y a pas de
J'ai pas d'a priori, c'est comme ça vient. Surtout la, voilà, la longueur de la bannière qui est importante. À peu près, on va dire, au niveau du spigot. Moi, je vais descendre un peu plus bas, jusqu'au premier anneau. Et bien sûr, ne pas oublier de bien resserrer le frein, parce qu'il y a les doigts. Ça fait mal le doigt. Donc là, on fait un lancer sur deux pas. Et ce qui est très important, c'est au moment du point d'appui, bien charger la canne, qu'au moment où je vais stopper sur mon pied gauche, la canne sera au plus bas, et c'est là où je vais lancer la charge, et après, je finirai mon dernier pas. Une fois que la canne sera partie, voilà, on lancera le dernier pas. Donc voilà. Là, voilà, 200 mètres avec le vent en pleine face. On y est sans problème. Donc le fixe 11, la particularité de ce moulinet, c'est que la bobine, elle est quand même assez fine et c'est un enroulement à spire jointive. Donc voilà, si on aurait une bobine assez large sur un enroulement à spire jointive, ça ferait des grosses spires et tout le fil s'accumulerait au premier anneau. Et ce qui empêcherait voilà, l'évacuation du fil. Donc là, c'est bon, ça sort des toutes petites spires et c'est vraiment tip-top pour lancer les plombs. Donc là, on va essayer de vous expliquer le geste un peu au ralenti. C'est vrai que c'est pas facile vraiment à expliquer. Il y a plus aussi une histoire de ressenti voilà, au niveau de la canne. Donc, toujours les bras bien tendus en l'air. Je commence à faire mon premier pas. La canne commence à descendre légèrement derrière. Et là, au niveau de l'appui de mon pied gauche, la canne, elle est au plus bas derrière. Et là, on va commencer à envoyer la charge. Et une fois que la canne est partie, tac, on vient bloquer. Et ce qui est important, c'est de, comme là, on vient de balayer les cailloux. Parce que voilà, il faut surtout pas glisser. On peut se faire mal, c'est vraiment. Voilà, il faut vraiment que ce soit nickel, une bonne paire de chaussures qui accroche bien le sol. Voilà, c'est très très important. Il faut, à tout moment, ça m'est arrivé de tomber, casser du matériel, donc là, il faut vraiment prendre des sécurités pour ça. Donc voilà, durant cet enduro avec Matt, on a utilisé seulement trois types de montage. Donc, des montages relativement simples pour Matt. Étant donné que lui pêchait avec des bouillettes denses, il a utilisé tout simplement un montage avec un nœud sans nœud classique et une bouillette dense comme son amorçage. Moi, étant donné que je pêche donc avec des particules, j'affectionne particulièrement les montages combinés. Donc, les montages combinés comme celui-ci. L'avantage de cela, en fait, c'est que les poissons n'ont pas du tout le même mode d'aspiration. Ils restent vraiment cantonnés sur des petites zones. Il faut vraiment que le montage soit très agressif. Donc, l'avantage de ce combiné-là, c'est que moi, j'utilise le rigidity, donc sur la matière rigide, l'avantage c'est que celui-ci est vraiment très très raide et ce qui me permet de vraiment, comme on peut le voir, d'accentuer vraiment le mécanisme du combiné. Donc je vais vous montrer la réalisation du nœud Albright. On nous demande régulièrement comment réaliser ce nœud, donc on va prendre le temps de vous expliquer. Donc tout simplement, pour ma part, j'utilise le rigidity en 53 centièmes. Il paraît très raide et quand on le sort de la bobine, ça ressemble à rien. La particularité de ce nylon, c'est qu'il faut ensuite le passer à la vapeur pour qu'il devienne vraiment droit. Donc, je commence par pincer le rigidity. Donc ça fait une petite boucle comme celle-là. J'utilise derrière de la tresse réflexe en 15 livres. Donc pourquoi en 15 livres? Tout simplement parce que c'est la plus souple que l'on ait. Je le passe à l'intérieur, donc dans ma direction. Je pince avec mes deux doigts et à ce moment là je vais réaliser 5-6 spires dans l'autre sens. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 spires c'est bien. Pourquoi? Déjà la résistance ça suffit largement et de plus lorsque l'on met un sinkers ça camoufle parfaitement le nœud. Donc ensuite on vient repasser dans le nœud de cette manière. On vient pincer le fil donc, que l'on vient de faire passer dans le nœud. Et à ce moment-là, moi je viens tirer avec mes dents celui-ci afin de le serrer. Tac. Donc là, le nœud est presque terminé. Il nous suffit après tout simplement de tirer sur les deux extrémités. On peut revenir tirer sur le côté afin de valider le nœud. Et voilà. Le nœud est bien réalisé lorsque ça part de chaque extrémité. Et après, on obtient un montage comme celui-ci, quoi. Là, on voit, je suis vraiment au milieu du bed line, c'est vraiment très rigide. Et la particularité, ça va vraiment marquer l'articulation lors de l'aspiration du poisson.
Comme on peut le voir, j'ai oublié de stipuler, c'est que j'utilise sur mon montage une boucle, j'utilise un dé d'un dérig. En fait, l'avantage, déjà et d'un, c'est que j'utilise un micro émerillon en guise de cheveux, ça me permet de pouvoir changer d'èche sans avoir changé la longueur du cheveu. Donc là, vraiment l'avantage de ce montage, c'est que lorsque le poisson, donc en situation de pêche, on l'a comme ceci, et dès que le poisson va absorber l'èche, l'hameçon se positionne directement vers le bas. Donc l'avantage, c'est vraiment la particularité de piquer les poissons sur la lèvre inférieure. On peut le voir, hein, dans n'importe quel cas, l'hameçon bascule automatiquement, et avec l'avantage de la rigidité du bas de ligne, ça accentue vraiment le pivotement vers le bas, quoi. Donc voilà, nous avons aussi utilisé un montage donc pour la longue distance. Hier, dans l'après-midi, on a même mis un montage sur la berge en face. Et pour ce faire, pour quelque chose de très pêchant à longue distance, parce que là, on a mis une canne à plus de 180 mètres, on a utilisé tout simplement un montage hélicoptère. Donc dans ce cas, on a utilisé le tungstène shot bit. L'avantage de ce système shod, c'est qu'il est assez sécuritaire, dans le sens où, si jamais on était amené à casser, malheureusement, le shod se serait baladé tout seul sur la berge en face. Le poisson se libère automatiquement grâce à cette petite perle qui vient glisser le long du lait de corps, et ensuite le shod sort automatiquement. Donc ça permet vraiment, malheureusement, si on était amené à casser, que le poisson se retrouve avec un shod dans la bouche, quoi. Et lors d'un départ, c'est la particularité de ce montage, c'est qu'il y a un petit cône qui vient s'insérer dans celui-ci. La particularité, c'est que ça vient glisser dedans, et ça vient épouser la forme du cône, et du coup, on a un montage qui reste vraiment très pêchant à la bouche du poisson, quoi. Ça vient se glisser contre et c'est pas mal, quoi. Ça évite d'avoir un balancier, un montage ici, le plomb qui vient se balader en dessous, c'est vraiment top. Bon, mais voilà, fin de la compétition. Donc malheureusement, on n'aura pas réussi à sortir le poisson qui nous manquait. Ah, pour 900 grammes, quand même, ça fait mal. Mais ouais. Bon, c'est quand même con. Bon, on a passé un bon moment. On a quand même réussi à faire deux poissons. On touche deux poissons. On peut rappeler qu'il y a quand même aussi c'est beaucoup de capots, quoi. La pêche était vraiment dure. Il y a seulement quoi, 4 ou 5 équipes qui ont fait des poissons sur 16. 5 équipes, ouais. Ça fait quand même beaucoup de capots. Ouais. Après, voilà, ça peut être une pêche de rendement, hein, mais bon. Non. Pas mal. Bon, une pêche de premier de raccro. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Ouais. Mia et Farge Mathieu. Merci l'explication. Merci. Donc juste une petite anecdote, ils ont fini deuxième avec 900 grammes de retard. Voilà. Ça s'est joué à pas grand chose, mais voilà. C'est la pêche. Merci. Bon, et bien voilà, l'enduro organisé par l'UNKG Family est désormais terminé. Donc, écoute, on aura là maintenant, on aura hérité la deuxième place à 900 grammes des premiers. Donc, ça s'est joué à pas grand chose, hein, comme quoi, hein. Faut rien négliger dans la pêche. Une décroche peut tout changer. Bon. Preuve en est, on décroche. Bon, après, ils ont a priori aussi décroché un poisson, donc bon, c'est parti remise. Donc, très bon enduro, très bonne ambiance. Les participants étaient vraiment très sympas. Donc, le site est bien aussi, vraiment un chouette site. Donc, un bon petit week-end, franchement, mais on est vraiment contents. C'est cool. En conclusion, quand même, voilà, on sera quand même aussi pas trop mal sortis. Il n'y a eu que 5 équipes qui ont fait du poisson. Donc, 5 équipes qui font du poisson, voilà. Puis à noter aussi que sur notre berge, c'est quand même, il n'y a personne qui a fait un poisson, quoi. Tous les poissons se sont faits sur la berge opposée. Ce qu'on n'aurait pas pensé d'ailleurs, parce qu'on pensait vraiment que le vent dominant était sur notre berge, on pensait vraiment avoir un avantage sur ça, et au final, les poissons étaient vraiment, enfin, je ne dis pas qu'ils étaient en face, mais tous les postes d'en face ont fait au moins presque un poisson. Donc on n'est pas mécontent de la pêche qu'on a fait. Je ne pense pas qu'on soit passé trop à côté, donc c'est cool. On essaiera de faire mieux l'année prochaine. L'année prochaine, ouais. Exactement.
Alors Mathieu et Julien, un enduro plein de rebondissements, 48 heures en fin de saison, en fin d'année, hein, novembre à Pescalis. Et on voit vraiment que ça se joue à très peu de choses. Oui, tout à fait, surtout à Pescalis, voilà, on savait qu'il n'y a pas beaucoup de touches, donc on n'avait pas droit à l'erreur, pas droit de louper un poisson, donc il fallait que tout soit parfait. Et je pense que Juju, il a un petit mot à nous dire là-dessus. Oui, effectivement, ouais, sur cet enduro, ben, on enregistre 3 touches et on ne fait que 2 prises. Malheureusement, ça se joue à 800 grammes. Donc si on avait ramené le poisson qu'on a raté, ça nous aurait peut-être permis d'atteindre le sommet du podium. Et comme je disais, malheureusement, il n'y a aucune négligence à avoir. Il y a un montage un peu, quelque peu défectueux, un nœud qui a glissé. Et malheureusement, ben, ça nous a... Ouais, alors on va relativiser quand même, ça reste une deuxième place, un beau podium qui termine une année qui a été très, très bonne, très riche pour vous deux, puisque toi en tant qu'international, bah, en tout cas au niveau individuel, tu as atteint le sommet, je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. Et puis toi, tu es accueilli en équipe de France, hein, on a su ça aussi fin 2016, c'est peut-être une bonne expérience. Tout simplement génial, quoi. En tout cas, moi, ça ne m'étonnait pas, mais là, je vous ai vu, j'ai eu le privilège de pêcher à côté de vous là, pendant 24 heures, et bah, c'est tout simplement excellent, quoi. L'attention au détail, évidemment, les compétences au niveau du lancer qui sont assez extraordinaires, une détermination, c'est beau à voir, c'est motivant. Moi, des pêches du bord que je ne pratique plus depuis longtemps, bah, ça m'a vraiment redonné le goût, l'envie de sortir les cannes à spod, etc. Donc, bah, merci beaucoup. Et puis là, on va vite retrouver Nicolas, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'activité chez lui. Ouais, ça bouge pas mal. Ainsi s'achève le 5e opus de En Session avec Fox. Donc un volume particulièrement riche et varié, avec une famille Fox qui, comme vous avez pu le voir, s'agrandit. Pour ma part, ça a été un réel plaisir de retrouver Nico au bord de l'eau, comme d'habitude, mais aussi de pêcher aux côtés de compétiteurs de très haut niveau, que sont Mathieu et Julien. Vraiment un plaisir à les voir évoluer, et puis on y apprend énormément de choses, comme j'espère vous aurez appris pas mal de choses tout au long de ce DVD. Voilà. Alors on vous souhaite à tous une bonne saison 2017, évidemment, et puis on vous retrouve sur les salons, les portes ouvertes. À très bientôt. Mais il mange la bouillette. On en a attrapé une. Ok. Lévin, si on te dérange, tu le dis. Hein. Ça n'intéresse pas le mec. C'est bon, c'est fini, je peux y aller là. Il y a une bière qui m'attend là-bas, moi. Mathieu Farge se masse les abdos. L'abdos. D'accueil. En bon sportif qu'il est, il se masse les abdos. J'ai trop du camp. Bah voilà, je vais vous montrer le montage qui m'a permis de prendre ce poisson. Tu commences par le gland, puis quand tu sens que ça bloque, t'arrêtes, tu repars en arrière. Mouille un peu, parce que ça... Il y a des dressels pilés. Tu verras, elle fait pas le même bruit quand c'est bon et quand ça fait mal. Allez, vas-y. Bah, imagine le truc. C'est parti. Du verre pilé, hein. Chut. Essaie de se concentrer. Le jour où il n'y a plus ça, j'arrête la pêche, je crois. Le partage du gras, on peut voir. Ah, c'est bien grave, hein. Ça va nous réchauffer. Ça va changer des boulinots quand même d'Alexis. Ouais. Ouais, c'est délicat, ça. Ouais. Bon, ben, qu'est-ce que tu utilises comme montage? Oh putain, comment ça se fait que ça mord pas? Tu veux un morceau de saucisson ou quoi? Alors, ça me déconne, tiens. Rigolais, comment ça faire ça? Je te la fais bien fine. Bon, en fait, il est en train de nous faire blanchir des pommes de terre avec des saucisses de marteau. Il est en train de faire 2 nuggets dans sa casserole et tomber ta casserole. Ça va, c'est ça qu'on attendait. Je pense que... Mais c'est magnifique, putain. Il me regarde pas. Bon, c'est pas un poisson, c'est pas un poisson de fou, hein. Mais c'est un beau poisson quand même. On est très contents. Et puis, il a fait un bon moment. Mais ça m'a donné, c'est quoi ça?
Putain, il me remet dans le sac. Et refoutons, et re-deuxième quart. Putain, on se gave ce soir. Franchement, les Anglais, ils ont inventé mieux que les manivelles qui se replient. Hein. Ils ont inventé le English breakfast. C'est parce que t'es le plus jeune, c'est pour ça que t'es corvée de plus de... C'est ça. Le pauvre. Ah, puis c'est... On t'a filé de l'eau propre en plus. On fait bosser les jeunes chez Fox. C'est ça. Ils ne savent pas que lancer des cannes. C'est ça. Ça va aussi faire la vaisselle. Toi, t'as pourra jouer à la pétanque, toi. Ah ben, tu sais quoi, ça va pas me manquer. Ensuite, à un espèce de pari débile, j'avais dit en arrivant que si je faisais un poisson, tu le veux, mais je me foutais à l'eau. Donc, eh bien, allez, on va essayer de relever ce défi. Et en plus, pour les filles, si on va dire que là, on est dans l'amour et au bord de l'eau, il y a un petit numéro qui va s'afficher au niveau du caleçon. C'est pour vous. Mais non. Alors, je mais non. Sexy, les chaussures et les chaussettes, s'il vous plaît. Là, là, il y a du mollet, là. Et là, attends, da, là, 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 là. Vous allez voir ce que c'est, une corde. Oh! Allez, bébé! Ta la la la, il est chaud, bébé! Qu'est-ce qu'il y a là? Numéro de téléphone! Pour visionner d'autres vidéos, cliquez ici. Et pour vous abonner à la chaîne YouTube Fox, cliquez ici.